Bonjour la VOD, suite de l'enquête, en espérant que ça se passe mieux cette fois-ci, bien sûr. Et merci. Cancer, ouais, 3 mois de sub. Terrible pseudonyme. On y va. À toutes. 23 février, 14h15, cabinet d'avocat Wright & Co. Monsieur Wright, alors, on en est où avec notre affaire exactement? Je suis un peu perdu. Ah, eh bien, voyons voir. Bonne question. L'inspecteur Eric Lebon a été assassiné d'un coup de couteau le 21 à 17h passé. Dans le parking du bureau du procureur et dans la salle d'épreuve du commissariat. Comment ça, et dans la salle d'épreuve? En voiture, il faut une demi-heure pour aller du bureau du procureur au commissariat. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir, ou du moins essayer. D'accord, on va y arriver. Ravi qu'elle soit bonne humeur, mais je doute qu'elle me soit d'une grande aide. Psst. Ne jetez pas comme ça, monsieur Wright. Hein? Ça vous dérangerait de venir avec moi? Je vais vous prouver que mes grosses lunettes ne sont pas là que pour décorer. Allons-y, la science nous attend. Voilà, des grosses lunettes parce qu'elle est myope, peut-être. 23 février, bureau du procureur, parking souterrain. Vous savez, je crois vraiment qu'on ne devrait pas s'occuper du meurtre du commissariat. Ils n'ont même pas trouvé le cadavre, on s'en fiche. Bien sûr, c'est notre victime qui a été assassinée au commissariat. Et puis, ma sœur ne ferait jamais une chose pareille, je le sais. Ce baril d'huile était-il vide? Le baril d'huile dans lequel le procureur général a donné un coup de pied était rempli d'eau. Ma sœur effaçait des preuves sur une scène de crime? Jamais! Même si elle dit qu'elle ne s'entendent pas, Emma aime vraiment sa sœur. Vous n'y êtes pas du tout. C'est juste que... Nous faisons toutes les deux preuve de professionnalisme, et je lui fais confiance. Que de grands mots pour une lycéenne. Bon, qu'il y ait eu des taches de sang ou non, l'eau contenue dans ce baril d'huile a tout effacé. Vous prenez des risques en voulant ignorer la puissance de ma science, monsieur Wright. Hein? Que signifie ce grand sourire? Cette situation exige qu'on fasse appel à une chose qui est... la solution de luminol. Luminol? Le sang, c'est tenace, vous savez, ça ne disparaît pas comme ça avec un peu d'eau. Même si on ne le voit pas, il est toujours là. Mais la police a sûrement déjà fait ses tests, non? Ne faites jamais confiance aux yeux des autres, monsieur Wright, uniquement aux vôtres. Allez-y, essayez. Moi? Pourquoi c'est à moi de faire ça? Je suis mineur, je ne suis même pas en l'âge de boire de l'alcool. On recherche des taches de sang avec ce truc, on ne le voit pas. Quoi? On recherche des taches de sang avec ce truc, on ne le boit pas. D'accord. Tenez, regardez, je vous prête ces lunettes. Ah, vous en avez une paire supplémentaire? Oh oh! Pour rechercher la présence de sang, il vous suffit de vaporiser du luminol à un endroit. Comme ceci, vous voyez. Appuyez sur Enter pour vaporiser le produit. Ok? Partons à la chasse de traces de sang. Bah... Ah, bah voilà. Là. Vu. J'examine. Je vois ses yeux briller à travers ses lunettes. C'est une tache de sang, ça? C'est tellement... Ah! Emma, vous tremblez. C'est juste que c'est la première fois que je vois du sang en vrai. Elle s'est jamais coupée. Ever? À 17 ans? Elle s'est... Oh, dis donc. Alors ça? Merci Tlan pour les 100 bits, tu mets Antoine pour les 7 mois. L'enquête scientifique en action. Ok. Bon, nous sommes certains qu'il s'agit bien d'une trace de sang. Mais rien ne vous paraît bizarre, scientifiquement parlant, bien entendu? Qu'est-ce qui peut bien être bizarre d'un point de vue scientifique? Bah, l'endroit, j'ai cherché là parce que ça me semble bon, mais la quantité peut-être? L'inspecteur Lebon et son assassin se sont battus ici, non? Vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir davantage de sang? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, regardez tout le sang qui se trouve sur la semelle de la chaussure de la victime. C'est curieux. S'ils se sont battus ici, il devrait y avoir beaucoup plus de sang, beaucoup plus de traces de sang. Et monsieur Wright? Regardez comment je marque l'emplacement des traces de sang sur le plan. Ah, ok. Vous voyez? C'est pratique de m'avoir à soi, non? Oui, ce sont des informations très utiles. J'ai économisé sur mon argent de poche pour me payer ça. Est-ce que je peux l'utiliser ailleurs, d'ailleurs? Détecte les traces de sang vaporisées pour utiliser. On n'est pas sûr que la police révélera toutes ces pièces à conviction lors du procès. Ils omettent parfois certains éléments qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent prouver. Mais nous sortirons cette preuve dissimulée de notre chapeau. Ouais.
On sent vraiment qu'on est en pleine enquête criminelle maintenant, hein. Ce luminol va sûrement nous être utile. Ah! Et non. Eh oui! Je me demande comment votre espèce de solution réagirait à ma fameuse Daily Box. Mademoiselle Star! Vous ne faites confiance qu'à vos propres yeux, hein? Pas mal, vous deux. Cette Daily Box d'hier est pour vous, cadeau de la maison. Désolé, mais cette entrée en matière ne me met pas vraiment l'eau à la bouche. On peut dire que vous me mettez dans de beaux draps aujourd'hui. Je vous présente mes excuses, Mademoiselle Star, mais... Non, non, c'est bon. C'était ma faute. Ah, nous le savons bien. J'ai assisté à toute la scène depuis ce poste de sécurité là-bas. Mais j'avais peur de ne pas être assez convaincante, voyez-vous. J'avais tort de penser ça. Je suis désolée. Désolée ? Vous avez prêté serment et vous avez menti ! C'est impardonnable ! Jeune fille, n'oubliez pas ce qui importe ici. J'ai assisté à la scène depuis un autre endroit, mais j'ai quand même vu ce que j'ai vu. J'ai vu le procureur général Sky poignarder un homme de sang-froid et ça ne change rien. Ah ! Je le jure sur mon honneur d'inspectrice, elle a poignardé le banc. Je sais que cette photo a quelque chose d'important à nous dire, mais quoi ? Alors comme ça, vous étiez inspectrice de police, Mademoiselle Star ? Oui, c'était il y a bien longtemps, enfin, il y a 2 ans. Même le plus endurci des criminels lorsqu'il se retrouvait face à moi... Il crachait le morceau. Crachait le morceau ? Il avouait. Il bafouillait comme des gosses. Vous savez, je peux paraître démoniaque parfois, mais je sais aussi être angélique. Je n'en doute pas. Chaque jour, je tirais les vers du nez des suspects les uns des autres. Il ne leur a pas fallu longtemps pour me surnommer... La cracheuse. Oh, et je crois que c'est là que quelqu'un est empoisonné par un de vos paniers repas. Et vous avez été remercié, licencié ? Je pensais avoir trouvé le travail de mes rêves lorsque je suis devenue inspectrice. Et si ces procureurs pompeux ne m'avaient pas mise dehors, je le serais toujours. Tout ça, c'est à cause de ce dossier. L'affaire SL9. Ah ! Voilà qui est intéressant, les amis. SL... Non, elle ne veut pas parler de... Oh là 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 ! Oh là là, nul, nul ! Je vais lui présenter SL9, du coup. Que pensez-vous de ceci ? Affaire SL9 ? Sur ce couteau ? Et sur cette note ? Le bon était l'inspecteur principal chargé de cette enquête, vous savez. Ah bon ? Ce couteau était l'une des pièces à conviction du dossier, l'arme du crime. Il devait être transféré le même jour où le bon a été assassiné. Il devait être transféré, il a été volé. J'avais donc raison. L'affaire SL9 n'est pas finie, pas encore. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de cette affaire SL9 ? Ah merde, je pensais que... Bon. Bah, attends, je vais présenter ça. Oui, mais c'est la même chose. Ah non. Ce couteau était l'une des pièces à conviction du dossier, l'arme du crime. Il devait être transféré dans le même... Ah, mais non, mais... C'est la même chose, ça a déjà été dit, super. Vous nous en dire un peu plus au sujet de cette affaire SL9, mais... Quand je fais discuter, c'est non. Bah. Je ne comprends pas. Ben non, il n'y a pas de nouveau sujet de discussion. C'est exactement la même chose. Bah. Ça bug ou j'ai loupé un truc ? Montre un autre objet, ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais lui montrer cette photo peut-être. Ah. Si on y réfléchit bien, j'aurais pu prendre cette photo du poste de sécurité. Mais même moi, je peux être troublé parfois. Donc vous êtes directement rendu sur les lieux du crime. Et vous avez escaladé le grillage pour essayer d'empêcher le meurtre ? C'est là que j'ai pris cette photo, oui. Endroit de Tréherne, 5 minutes après le crime. Tout le problème vient de ces 5 minutes. La faille de mon témoignage, pour ainsi dire. Le problème, ce ne sont pas les 5 minutes, Mademoiselle Star. C'est que vous ayez menti. Écoutez, jeune fille, par le passé, mon témoignage a été négligé. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Comme cette fois-là.
cette fois-là. Ah, voilà, putain, c'était ça. Il fallait que je lui propose ça. C'est là que j'ai découvert la vérité. Nous ne sommes rien pour eux. Des articles jetables. Jetables ? Il y a 2 ans, le plus gros dossier que j'ai jamais traité. Il était là, lui. La police et l'accusation cherchent désespérément des preuves irréfutables. Donc, l'affaire n'a pas été résolue ? Au contraire. Elle a été résolue de façon très nette. Le criminel a été arrêté et exécuté. Exécuté ? Oui, le criminel a eu ce qu'il méritait. Ça ne va pas chercher plus loin. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé la preuve irréfutable. Pas la moindre. Comment ? Mais le criminel a été exécuté, non ? Des preuves d'un certain genre. Des fausses preuves. Quoi ? Vous voulez dire qu'ils ont exécuté quelqu'un sur la base de preuves fabriquées ? La cerise sur le gâteau n'est arrivée que plusieurs mois après le procès. Des mesures ont été prises contre tous les inspecteurs impliqués dans cette affaire. Certains ont été rétrogradés à la fonction de simple agent, d'autres ont perdu leur emploi. Et vous en faisiez partie ? Moi et une autre personne que vous connaissez bien. Une minute serait-ce Jesse McCree ? Exactement. L'officier Alex Marshall. C'est le cow-boy, là. Il s'occupe de la sécurité au commissariat, non ? En tant que professionnel, nous avons étudié cette affaire sous tous ses angles. Alex a fait preuve d'une grande détermination. Et puis, c'était terminé. Il a été rétrogradé. Cependant, il n'a pas oublié. Et moi non plus. Vous n'avez pas oublié l'affaire SL9 ? Cette affaire avait une face cachée. C'est ce que nous voulons révéler aujourd'hui. Et ce n'est pas ces bureaucrates enfermés dans leur jolie cage qui nous en empêcheront. Mais... c'est pas du repas que vous vendez. Si je viens vendre des paniers dans ce bureau maudit, c'est pour une seule et bonne raison. Pour voir d'anciens amis, enfin, des ex, susceptibles de m'aider dans mon enquête. Les ex-petites amies de Mademoiselle Star, mais combien en a-t-elle ? Les inspecteurs chargés de l'affaire disparaissent et hop, on trouve un nouvel élément. Il y a forcément un lien. Alors, le bleu. Comment ? On dirait que vous prenez très à cœur l'enquête liée à cette affaire. Oui. Alors vous devriez prendre ceci. Une formule cordon bleu. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider si vous l'amadouez avec ça. Ah, l'agent Marshall met systématiquement l'agent Marshall de bonne humeur. Mademoiselle Star, l'officier Marshall, c'est votre... Vous êtes ça... Vous sortez ensemble ? Pourquoi voulez-vous le savoir, ça ? Je me demandais juste ce qui lui était arrivé. Avant, quand il aidait ma sœur sur certaines affaires, il était si gentil. Il s'entendait tellement bien avec ma sœur que ça me rendait même jalouse. Et puis, il était gentil avec moi aussi à l'époque. Ça devait être quand même quand l'officier Marshall était inspecteur. Et maintenant, il est si glacial. Alex et moi ne faisons que coopérer sur cette enquête. Nous avons pour ainsi dire tourné la page. Rien de plus. Je vois. Merci. Officier Alex Marshall, Ok. Et du coup, où est-ce que je le trouve, mon cher officier Marshall ? Discuter, on a tout dit, hein. Ouais. On va se déplacer, on va essayer d'aller le voir. Putain, mais où est-ce que je le vois, lui ? De toute façon, dans tous les cas, faut que je me déplace. Merci la fripouille pour les 500 bits, Stellant pour les 100 bits. Et je vais aller au hall d'entrée du commissariat. Entrée. Il y a encore plus d'agitation qu'hier ici. Les inspecteurs courent dans tous les sens tellement vite qu'ils paraissent flous. Ça me paraît logique, un inspecteur a été assassiné dans leur commissariat. Donc la salle des preuves, la scène du crime. D'après ce plan qu'ils nous ont donné à l'entrée, elle se trouve là. On dirait une gamine dans un parc d'attractions. Ah, une vraie scène de crime. Allons voir ça de plus près. Excusez-moi, faut que je fasse un truc juste avant. Très important. Je peux lui enlever ses piles, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va faire une bêtise. Thank you.
excusez-moi, je mangeais un petit truc. Je vais pas manger ce soir, en fait. Mais attends, je peux aller au poste de sécurité. Mais j'avais pas fait gaffe. Incroyable. Attends, on va y aller tout de suite. Merci beaucoup TheJave67 pour les 1000 bits. B12Goat pour les 100 bits. Merci pour ces bons moments de live visage avec un léger sourire. C'est très gentil comme message, visage avec un très léger sourire. 23 février, entrée de la salle d'épreuve, poste de sécurité. C'est pas le poste du garage, bah si. Qui a bien pu décorer cet endroit? C'est très excentrique. Mais je me demande bien qui a bien pu décorer cet endroit avec un Ah non? C'est la salle d'épreuve? C'est pas la salle d'épreuve, ça. Non, mauvaise localisation, quoi. Ah, c'est le poste de la salle d'épreuve. Ah d'accord, ok. Alors, j'ai mal compris, alors. D'après cette brochure, c'est le poste de sécurité de la salle d'épreuve. Ah, bah merci Emma de... Voilà, ok. C'est compris. Merci. Alors derrière cette porte se trouve la salle d'épreuve. Le lieu du crime. Oui, on dirait bien que c'est par là. Oh, oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces cactus, ils sont si piquants. Oh. Ces cactus, ils sont si piquants, si imposants. Ils empêchent de réfléchir. Quand on ne supporte pas les cactus, on ne va pas dans le désert. C'est bien vrai ça, Phoenix. Mais elle est pas dans le désert, en fait. Donc je ne comprends pas, en fait, ce que tu veux dire, Phoenix. Si c'est bien un poste de sécurité, j'aimerais savoir où est passé le gardien. J'ai l'impression... pardon, salut, c'est Emma. J'ai l'impression que je ne sais... Je sais déjà qui est ce gardien. Ah, ah bon, mais elle est trop forte, putain, mais comment... Waouh. J'aurais jamais deviné, moi. Eh ben, il a un paquet d'épines. Ça doit être un vrai. Selon moi, un seul gros cactus, ce serait suffisant. Ce cactus ressemble beaucoup à ma sœur, en fait. À Mademoiselle Sky. Enfermée sous une carapace très dure, pleine d'épines dans tous les sens. Exactement comme elle. Tu écriras ça sur ton Skyblog, Emma. Vous savez, ça fait un moment que j'observe ce cactus et je ne vois aucune ressemblance. C'est plus psychologique que physique. Il y a un uniforme d'agent de sécurité accroché ici. Honnêtement, ça ressemble plus à un costume qu'à un uniforme. Ce n'est pas un costume, c'est un poncho, espèce de connard. Une veste en cuir, un pantalon en cuir, un... Comment ça s'appelle ce truc déjà? Un penché? Un péché? Un poché? Je sais, un pochon! Un petit pochon de weed! Je vais me frôler un petit dragon tranquillou! Non, ce n'est peut-être pas ça. C'est un poncho, mais je pense que je vais garder ça pour moi pour l'instant. Mais quel connard! On dirait que ces écrans sont reliés aux caméras de surveillance de la salle d'épreuve. Il y a un voyant qui clignote au-dessus de l'écran. Ça dit « enregistrement en cours ». Je parie qu'on pourrait utiliser cet ordinateur pour savoir ce qui est entré et sorti d'ici. Ah. On se croirait dans un saloon avec cette porte battante. Mais regardez, elle n'est pas scellée. On peut entrer par là. Bien sûr que non. Si on passait par là, on ferait tomber ce cactus. Aïe. Personnellement, j'aurais plutôt opté pour... Oh. Ouille. Texas. Le ranch... Et du vieux qui a la gueule. Oh, un lasso. Regardez par terre, un lasso. On dirait qu'il est posé pour... Il est posé pour tendre un piège. Un piège, ici? Attendez, je sais. Quelqu'un a peut-être essayé d'attraper un taureau sauvage ici, mais le lasso l'a raté. On peut dire que vous avez de l'imagination. Ah non, évidemment, il a posé le lasso ici pour attraper les personnes qui essaient de s'introduire là-dedans. La salle d'épreuve se trouve derrière cette porte. Allons-y, entrons. Elle ne s'ouvre pas. Vous pensiez qu'elle serait ouverte? Je crois que nous allons avoir besoin d'une autorisation pour y entrer. Bah oui, mais il faut que je voie Jean-Michel... Jean-Luc Texas. Il faut que je voie Jean-Luc Texas... pour que je lui donne ensuite son putain de plat. C'est bon, j'ai... Bon, il est pas là, apparemment. 23 février, commissariat de police, entrée. Comme toujours, ce lieu déborde d'énergie. S'il vous plaît! Oh, serait-ce? Ah oui, en plus, c'est lui! Une formule cordon bleu, s'il vous plaît! Ah, c'est vous!
inspecteur Tective. Alors n'est pas au bavardage, mon gars, j'ai du boulot. Par contre, j'ai vraiment envie d'une formule cordon bleu de Planet Snack. C'est ma femme qui sait vachement bien les faire. Oh, vous voulez parler de ça? En fait, elle n'est pas à vendre. Je crois que je viens d'entendre son cœur se briser en deux. On n'est pas au désespoir. Nous avons attrapé notre criminel maintenant. Il nous faut juste des preuves. Le criminel? Vous voulez dire... Vous avez entendu parler du meurtre commis dans la salle des preuves, mon gars? Excusez-moi, mon gars. Le jour où un inspecteur a été assassiné dans le parking du procureur... Un autre inspecteur a été assassiné au commissariat? Et l'assassin? Vous avez un suspect? Eh bien, on avait un suspect. On vient de l'arrêter, en fait. Au poste, c'est le plus gros scandale depuis des années. Tout est sans dessus-dessous. Mais inspecteur Tective, de qui s'agit-il? Écoutez, mon gars, tout ce que je sais, c'est qu'il faut mon cordon bleu et fils ça. C'est pas en restant ici qu'à bavarder que mon estomac va se remplir. Attendez, ne partez pas. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour au centre de détention, les gars. L'interrogatoire doit être fini et il doit être en train de chialer comme un gosse. A plus. Il se précipite vers la salle d'épreuve. Bon, cette enquête est revenue à la case départ. Mm-hmm. Eh bien, allons-y, alors. Oh, shit. Bah merde, il est où, le truc? Attends, je suis pas allé là, je crois. 23 février, commissariat affaires criminelles. Merci Antoine Le Geek pour aide-moi de sub. C'est cool. Wow, ils font tous une tête d'enterrement, ici. Tout de même, un inspecteur de ce commissariat a été sauvagement assassiné. Oui, mais ce même inspecteur a aussi été tué au même moment dans le parking du procureur. Ma tête va exploser. Bon, commençons par le commencement. Je vais jeter un œil sur le lieu du crime. Ouh, cette enquête est vraiment mortelle. Mais pas de gaffe, ou on risque d'y laisser notre peau. Je doute qu'ils aient besoin de plus de mystères ou de morts par ici en ce moment. Mais ils n'ont pas vraiment l'air disposés à nous aider non plus. Bon, ok. Ouais, centre de détention, c'est là que je voulais aller. Merci Undertrix pour les 9 mois de sub. Merci beaucoup. 23 février, centre de détention, parloir. Je me sens tout de même un peu rassuré. Un petit peu. Ils ont capturé la personne qui a assassiné l'inspecteur Leban, non? Oui, je crois que oui. Il vaut mieux ne pas trop s'engager dans cette voie trop vite. On risque de se perdre. Oula. C'était quoi, ça? C'est ce que je dis, monsieur. Je sais pas ce qu'elle voyait là. C'est ce que je dis, monsieur. Moi, un agresseur. On me l'avait pas faite depuis longtemps, celle-là. Je dirais plutôt que c'est moi qui ai été agressé, monsieur, parfaitement. Ok. salut. Bonjour, monsieur. Attendez, je vous connais. Excusez-moi, qu'est-ce que monsieur Hunter fait dans ces parages? Je suis ici, monsieur, à la demande du préfet, monsieur. Voici votre rapport, monsieur. Officier Ballot, alors vous êtes gardien au centre de détention? Non, madame, je suis un agent de police égaré comme une première égarée, madame. Ah, je comprends. Vous êtes ici pour remettre un rapport. Non, madame, comment dire? Attendez, ce n'est pas... Non. Vous... Officier Ballot, vous n'avez pas... Si? Agresseur! Officier Ballot, rapport, monsieur! Quoi? Pour une surprise, c'est une surprise! Monsieur, je suis agent de police aux affaires générales, monsieur. Monsieur? Oui, je vous entends parfaitement, officier Ballot. J'avais des choses à faire dans la salle d'épreuve ce jour-là, monsieur. Le bureau du gardien était vide, monsieur. Donc habituellement, il y a quelqu'un qui garde la salle d'épreuve. C'est exact, madame. Parce que c'est là qu'on conserve l'épreuve, madame. Or, l'agent chargé de la sécurité ce jour-là était autre que l'officier Marshall. Marshall? J'ai regardé par hasard l'écran de surveillance dans le bureau des gardiens. C'est là que je l'ai vu. Monsieur, quelqu'un de suspect dans la salle d'épreuve. Quelqu'un de suspect, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type? Et ensuite, que s'est-il passé? Après ça, madame, tout est devenu noir. J'ai vu rouge, je suis tombé dans les pommes. Et quand je suis revenu à moi, j'étais ici au centre de détention. Combien de temps êtes-vous resté inconscient? Plusieurs jours? Est-ce que je peux vous demander ce qui est arrivé à votre main? Madame, il n'y avait personne pour me bander la main, madame. Alors j'ai enveloppé comme que j'ai pu, madame. Un bandage à la main. Exactement
comme Mademoiselle Sky. Encore un point commun entre cette affaire et celle du bureau du procureur. Commençons par le commencement. Dites-nous comment vous êtes blessé la main. Je voulais vous demander, sans être indiscret, mais vous êtes le meurtrier, non? Vous avez tué l'inspecteur Eric Lebon dans la salle d'épreuve, exact? Monsieur, s'il vous plaît, ne me regardez pas avec ces yeux de chien battu, monsieur. Si on devait qualifier ce persécuteur de victime, monsieur, je dirais que je suis une victime. D'accord, mais il se trouve que vous êtes en prison, et bel et bien vivant, qui plus est. Ah oui, eh bien, c'est vrai, monsieur. Je sais pas ce qu'on peut dire ça. Connaissiez-vous la victime, l'inspecteur Lebon? Eh bien, monsieur, si je devais le qualifier d'inconnu, ou de parfait inconnu, alors je dirais qu'il pense sérieusement du côté parfait inconnu. Donc vous ne le connaissiez pas? Monsieur, je travaille dans un petit service dans le noir et sans personne. Je ne connais aucun inspecteur. Alors, si c'était un parfait inconnu, pourquoi l'avoir assassiné? Madame, je n'avais aucune intention de le tuer, madame. Aucune. En tout comme je n'ai aucun souvenir de l'avoir tué, madame. Il y a au moins quelqu'un ici qui a l'air encore plus paumé que moi. Et votre main? Vous êtes blessé en poignardant l'inspecteur Lebon? Eh bien, vous voyez, monsieur. Vous ne pensez pas que vous feriez mieux d'avouer? Mais monsieur, monsieur, mais je ne pouvais rien faire. Ce bruit est horrible, hein, quand il parle, là, le truc de son mégaphone, là. Merci Pipo pour les 4 mois de sub, merci beaucoup. Vous ne pouvez rien faire? Monsieur, pour tout vous dire, monsieur, quand ça s'est produit, quand l'inspecteur a pointé ce couteau sur moi, j'ai juste hurlé, monsieur. Et j'ai tout de suite perdu connaissance. Tout de suite? Ah. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais seul dans la salle d'épreuve, monsieur, tout seul. Seul parce que... l'inspecteur Lebon avait disparu. Comment? Et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ma main, le sang giclait, monsieur. Quel choc, quelle douleur, monsieur, vous imaginez ce que je ressentais? Le corps de la victime avait disparu. Quelle histoire. Ok. Qu'est-ce que je pourrais lui présenter, moi? Je lui parle de l'affaire DL6 à lui, qu'est-ce qu'il vient de dire? Monsieur Badeau, pourriez-vous regarder ça? Je suis désolé, monsieur. Vraiment désolé, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous devriez peut-être demander à monsieur Hunter, monsieur. Il essaie de refiler la responsabilité aux autres, monsieur Wright. Vous êtes culotté pour refiler la responsabilité à Hunter. Bon, ok. Voyons voir. Hunter. 23 février, bureau du procureur général, salle 1202. 1202? Ah non, c'est 2102, mais ça fait 1202 un petit peu, hein, si on met un miroir. 20... Ouais, non. Eh bien, c'est très bien rangé ici aujourd'hui. Et ça le sera demain aussi. Au fait, il n'est pas là. Je suis sûr qu'il est parti mener une enquête importante. Oui, j'espère que c'est ce qu'il fait en ce moment. Je crois qu'il va falloir revenir. Ah bah merde, bah je sais pas trop où aller. Je vais peut-être retourner au truc de police. Depuis qu'il nous a dit que c'était l'inspecteur Marshall qui était là-bas, peut-être on va le trouver là-bas, l'inspecteur Marshall. Poste de sécurité. Ah non, déplacé. Non. Ah merde, j'ai raté un truc. Merci Louliloupa pour les 100 bits. Moudaillon pour les 3 mois, merci beaucoup. Laisse-moi réfléchir. Skynox pour le Prime. Ok les gars, je sais pas trop où aller. Attends, se déplacer. Bah je vais retourner. J'ai rien à lui dire de plus, elle. Hein. Non, présenter. Je peux rien lui présenter de plus non plus. Bon alors attends, faut que j'aille retourner.
au centre de détention. J'ai dû... Il faut que je lui présente des trucs. Ah. Mais pourquoi vous savez ça, c'est... Elle date de ce jour-là, elle a été prise au bureau du procureur. Le jour où le corps de l'inspecteur de banc a été retrouvé dans le coffre. Donc ça veut dire... Ça veut dire que je suis un homme libre, innocent. Si c'est un rêve, madame, alors j'espère que je ne me réveillerai jamais. Si c'est un rêve, vous feriez mieux de vous réveiller tout de suite. Reste-t-elle entre les 100 bits. T'inquiète, Aramis, si tu dis que tu viens de rater 2 heures, tu peux mater la VOD, y'a pas de problème. C'est gratos. Tu n'as pas besoin d'être sub. Mais n'hésite pas à sub. Quand même. Est-ce que vous pourriez regarder ceci? Oh, c'est ça, madame, c'est ça, c'est ça. C'est quoi? C'était le noir complet dans ma tête jusqu'à cet instant. Mais je me souviens maintenant, madame. Je me souviens, madame. Vous voulez dire que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Exact. Ce badge, c'est le badge qui a tout déclenché. Ce badge? Exactement, madame. C'est exactement ça. Rien ne pourrait être plus exact, madame. Rien. Je ferais bien de l'interroger un peu plus sur ce point. Merci Oldem9 et Yoxis pour vos primes. Merci beaucoup. Pouvez-vous me dire de quoi vous vous souvenez? Monsieur, on pourrait dire que je suis un agent de police égaré. Ou une brebis égarée. Je ne connaisse pas l'inspecteur Lebon qui se trouvait dans la salle d'épreuve. Et c'est pour ça qu'il vous a paru suspect. Monsieur, je suis entré dans la salle pour lui demander de me présenter son badge. Même pour l'instant, on dirait que ça se tient. C'est vrai, madame. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous avez demandé à l'inspecteur Lebon de vous montrer son badge. Et qu'a-t-il fait? C'est bien là le problème. Il a soudainement pointé un couteau sur moi. Quoi? Madame, je vous assure que j'ai été aussi surpris que vous l'êtes. Alors j'ai crié et je me suis jeté sur lui. L'inspecteur Lebon a pointé un couteau sur lui? Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce ne soit eux qui vous le fassent. Comme disait mon père, monsieur. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien... Mes yeux, madame, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais ici. D'accord. Alors, officier Ballot, pourquoi avez-vous été arrêté? Que voulez-vous dire, Emma? Analysons ce que nous savons. L'officier Ballot ne connaissait pas l'inspecteur Lebon et... la victime qu'il a vue sur le lieu du crime a refusé de lui présenter son badge. En d'autres termes, impossible de savoir si la victime était vraiment la victime. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Et si le corps a tout bonnement disparu de la salle d'épreuve, nous ne savons même pas si quelqu'un est réellement mort. C'est bien ça, monsieur. C'est ce que je voulais dire. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'ai dit. Hein? Mais vous avez quand même atterri ici. Ils m'ont dit que ça devait être lui, madame. Ce jour-là, à cette heure-là, l'inspecteur Lebon était bien dans la salle d'épreuve. C'est ce qu'ils ont dit. Mais vous ne vous souvenez pas distinctement des faits? Non, mais la cassette vidéo est formelle. Hein? La cassette vidéo? Celle de la caméra de surveillance. Le crime, mon crime, celui que j'ai juré d'effacer, il y est. On me voit sur la vidéo. Et vous avez attendu tout ce temps pour nous le dire? Désolée, vraiment désolée, madame. Je rends mon insigne, je ne le mérite pas. Non, merci, j'en ai déjà un. Je crois qu'on ferait mieux d'examiner la scène du crime. Bon, bah de retour. Putain, faut passer par là. C'est sûr qu'il faut se déplacer dans différents endroits pour... Merci Colcol, le GD07 pour le Prime. Poste de sécurité. Mais non, mais... Ok. C'est pas là. Bah, parking souterrain du coup? Ou peut-être là? Ah! 23 février, commissariat affaires criminelles. Monsieur Wright, regardez qui est devant le bureau de l'inspecteur principal. C'est le préfet de police Gant. Êtes-vous sûr que c'est bien tout? S'il manque quoi que ce soit, vous savez ce que ça signifie. Monsieur, je pense que c'est très probablement absolument parfait. Nous avons vérifié l'unité d'oreiller derrière les écrans d'ordinateur, la machine à café. Je vois. Bon, si vous trouvez quoi que ce soit, vous m'appelez tout de suite, compris? Oui, monsieur! Nous allons passer la pièce peigne fin, monsieur! L'inspecteur principal a l'air un peu agité.
Oh, Wrighty, mon garçon, comment ça va? Tu es allé faire quelques longueurs? Oh, monsieur le préfet Gant, au rapport, monsieur! Pourquoi le saluez-vous, monsieur Wright? Putain, son thème musical, il est trop drôle, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça va aller pour Hunter? Ah, Hunty! Oh, en fait, une petite commission d'enquête a été créée en son honneur. On se croirait sous l'Inquisition. Ouais, bah, on est à sans arrêt des problèmes avec ce petit depuis l'année dernière. Vous voulez dire l'affaire du lac Gour? Ça fait mauvais effet de voir l'un de nos meilleurs avocats dans le box des accusés. Mais tu as trouvé le véritable coupable de cette affaire, pas vrai, Wrighty? Von Karma. C'était une vraie légende, pas une seule défaite en 40 ans de carrière. Mais toi, tu as réussi à le faire accuser de falsification de preuves. Attendez, je n'ai rien fait de mal, il avait bel et bien falsifié des preuves. Quoi qu'il en soit, le bureau du procureur traverse une bien mauvaise passe. En fait, ils feraient n'importe quoi pour adorer leur blason. Et en fonction de la décision de la commission d'enquête, ça pourrait mal tourner pour Hunty. Quoi ? En fait, j'aime bien, ils disent qu'il est dans la méga merde, qu'il fait tâche depuis l'affaire du lac Gour, mais ils l'ont quand même récompensé comme meilleur procureur de l'année, quoi. C'est vraiment bizarre, je te le dis. Ça s'est passé exactement au même moment. Le meurtre du bureau du procureur. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Oui, mais c'est ce que disent les pièces à conviction. Le bon a été poignardé dans deux lieux différents au même moment. Voilà ce que ça dit. C'est quoi cette pièce à conviction? Allons, Wrighty, je ne peux pas dévoiler tous nos secrets aussi facilement. Et celui-ci en particulier, il est un peu délicat et je ne peux pas en parler. Je n'espérais pas grand-chose de toute façon. Je déteste par-dessus tout qu'on cache des trucs. Les secrets, ça m'exaspère. Mais tu sais, c'est un boulot à plein temps de faire fermer son clapet à l'inspecteur principal. Ah, c'était contre lui que vous respectiez tout à l'heure. Oh, vous nous avez vus. Oups. Je me demande bien ce qu'il voulait que l'inspecteur principal fasse. Voyons voir si je peux lui demander comme si de rien n'était. Ouais, bah vas-y. Bon, il faut que je présente un truc, je pense. Qu'est-ce que je te montre? Ça, peut-être? Ah, merde. Oui, non, c'est de la bite. Le lutin bleu. Peut-être que si je lui parle du lutin bleu? Non. Qu'est-ce que je peux lui montrer? Ça? Non. Je sais pas trop quoi lui montrer là, tout ce que je... Badge? Non, non, non. Ah non, bah en fait, non. Je peux rien lui dire, hein. Je peux pas lui montrer. Hein. Je me demande si je peux pas lui dire. Bah non, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Toujours pas. Hein. Mon badge d'avocat. Je vais tout lui présenter, hein. Franchement, je sais pas du tout quoi... Je sais pas ce qu'il faut pour débloquer la conversation, en fait. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait... Bah... Bon, bah non, en fait, hein, je pense que c'est mort. Non, lutin bleu, je l'ai déjà montré. Ah, le luminol, j'ai déjà montré et il y a rien. Ah mais attends, je suis trop con. C'est lui qu'il faut... Putain, je suis trop con. Oh, désolé. Non, c'était quoi déjà? Je me souviens plus, ça va. Non, je lis même pas parce que c'est le même texte en boucle. Merci Marceline pour les 100 bits. Merci beaucoup. Oh, désolé que vous ayez été témoin de ça! Il change de voix à chaque fois, je m'en fous.
Qu'est-ce que le préfet de police voulez-vous que vous fassiez au juste? Eh bien, voyez là-bas, c'est le bureau de Lebon. Ils voulaient que je l'inspecte à la recherche d'un indice éventuel. Ils ont emporté tout ce qu'il y avait dans la poubelle. Alors, il ne reste rien des effets de l'inspecteur Lebon? Bien sûr que non! Enfin, à part ça. Quoi? Vous avez gardé quelque chose? Bien sûr! Pourquoi? C'était pas important! Il n'a même pas fini de le rédiger! Ce n'est qu'un début de rapport sur un objet perdu! Un objet perdu? L'inspecteur Lebon avait-il perdu quelque chose? Le rapport est daté du 21 février, je vais le noter au juste au cas où. Rapport d'objet perdu de Lebon, document à moitié rédigé, date du 21-02 à transmettre au préfet. Je crois que je ferais mieux de jeter un coup d'œil rapide sur les lieux du crime. Non, mais tu dis ça depuis tout à l'heure? Ok, on y va. Mais... voilà. Mais c'est pas ça les lieux du crime? Ah non, c'est là-bas. Putain, je suis trop con. Et en fait, parce qu'il y a deux lieux du crime, donc. Oui. Non, c'est pas bon. Oui, elle me parle de thé. Et on l'a déjà eu, ça. Le lieu du crime, c'est ça? Non, mais tout ça, on a déjà vu ça. Ah non, mais faut peut-être que je revienne au commissariat et que je présente ça à l'inspecteur en chef, là. On veut un truc? Non. C'est pas bon. Putain, mais c'est pas bon non plus! Alors c'est ça la mascotte de la police, le lutin bleu. Très tendance. C'est le tour d'un inspecteur. Il demande quelque chose dans sa barbe. Où c'est? Le meurtrier a utilisé une cassette audio. Et dit astucieuse, les coups de pistolet étaient enregistrés. C'est bon ça, personne n'ira penser qu'à une cassette audio de nos jours. Il n'est pas en train d'écrire un rapport, mais un roman. Bah ouais, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait? Il m'a dit qu'il voulait que je revienne sur le lieu du crime. Pardon. Bah là, je suis sur le lieu du crime. La voiture, hein. Difficile de faire plus rouge qu'en voiture de sport. Ouais, c'est un rouge qui passe pas inaperçu. Le coffret était retrouvé dans le coffre, ouais. La serrure du coffre était cassée. La question est pourquoi Mademoiselle Sky a-t-elle choisi sa voiture? C'est quoi comme modèle? Je crois qu'on appelle ça une berline ou un coupé, quelque chose comme ça. Ça, ce sont les types de voitures, Monsieur Wright, pas des modèles. Vous êtes un mec, non, Monsieur Wright? Vous êtes censé connaître ce genre de truc? Il serait pas trop temps que je passe mon permis. Ah, c'est lui qui a pas le permis, bien sûr. C'est là qu'on a trouvé cette note. 21-02-SL9, l'affaire SL9. Le transfert des preuves de cette affaire était prévu le jour où le meurtre a eu lieu. Et l'inspecteur chargé de l'affaire est la victime. Je me demande ce que c'était que cette affaire SL9. Difficile de deviner juste à partir du numéro du dossier. Bloc B est par là, c'est là que les visiteurs se garent. Donc, Mademoiselle Star a escaladé ce grillage? Il semblerait que oui, ce grillage fait au moins 2,50 m de haut. Bon, qui ne tente rien à rien. Je vais essayer. Ce n'est pas grave, ne pleurez pas. Il existe peut-être une formule J.O. J'ai compris. Ah oui, la formule... ouais, j'ai compris. Un téléphone, voyons. Mais non, mais on a déjà vu ça. Il ne marche pas.
Là, il y a une vente. Et tout ça, j'ai vu, hein. C'est donc d'ici que Mademoiselle Star a vu l'incident. Oui, on l'a vu sur tout le parking depuis cet endroit. Donc, elle disait sûrement la vérité sur le fait d'avoir vu Mademoiselle Sky le poignarder. Tiens, où est l'agent de sécurité? Ben, d'après ce qu'on dit, qui serait sorti acheter un café pour Mademoiselle Star? Cette femme est une force à ne pas négliger. Ah, une échelle. Un escabeau, blabla. Ok. Ah, ok. Et ça, on a déjà vu ces dialogues-là toute l'autre fois. Ah ça, le baril, c'était... Voici donc le fameux baril d'huile. Bon, qui ne tente rien à rien. Je vais jeter dedans pour essayer de le renverser. Ce n'est pas grave, ne pleurez pas. Cette Lanaska, elle doit avoir le sacré muscle. Merci Principessa pour les dons à ça, merci beaucoup. C'est vrai que la tour c'est plus bien. Bah ouais, bah j'ai examiné tout le lieu du crime, hein. Et voilà quoi. C'est top quoi en fait, hein. Bah je sais pas trop où aller là. Que faire? Bon, par où commencer? C'est pas évident. On devrait commencer avec ça, vous savez, ce truc. Le mystère de la victime, j'imagine. Comment un homme, l'inspecteur Lebon, a-t-il pu être assassiné simultanément à deux endroits différents? On devrait aller au commissariat, à la salle d'épreuve, c'est bien ça? Je ne vous suis pas d'une grande utilité, je sais. Non, non, vous m'êtes une grande aide. Ok. Alors, ok. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai raté ici? J'ai tout vu ici, au secours! Mais au secours, quoi! Qu'est-ce que je rate, là? Bah. Eh bah d'accord, hein. Badak, les gars, quoi. Tout a déjà été fait. Hein. Tout a déjà été fait. Alors ça, c'est étrange. Ouais. Mais bon, ça, on a déjà vu. C'est con qu'il répète les mêmes dialogues, en fait. Il devrait laisser ça comme ça si on a déjà vu ces dialogues-là. Merci à la personne anonyme qui a donné 300 bits. Merci beaucoup. Cette banderole annonce la fête des justiciers. Une fête des justiciers où on est menotté au grand 8 ou quoi? Peut-être des stands de tir où on peut gagner des lots comme du sérum de vérité. Je ne crois pas que le sérum de vérité soit quelque chose que l'on obtient en cadeau. Pourtant, tous les parents rêveraient d'en avoir. C'est pratique pour les interrogatoires. La plupart des parents que je connais ne mènent pas souvent des interrogatoires. T'as pas eu d'enfance. Et... On a déjà eu ces dialogues-là. C'était pas un salut, mais... C'était pas un salut, mais un test oculaire. Mais la perce de là. Ouais. L'inspecteur, on l'a très occupé. Imaginez un peu. En ce moment même, là, se passe un drame policier a lieu. Je sais pas ce qu'il y a d'excitant à cela. Oui, ok. Ouais. Vous savez, monsieur Wright, j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre ces gens et ces affiches. On a même peine à croire que ce sont des êtres humains. Il n'a pas tort. Oui, bah c'est... Déjà eu tous ces dialogues, hein. J'ai déjà eu tous ces dialogues. Bah je sais pas quoi foutre, moi. Je sais pas, il faut que je lui présente un truc. Mais je lui ai déjà tout présenté à lui. Même ce nouveau truc, il veut pas m'en parler, lui.
lui, il a réagi. Il a réagi... Putain, j'en sais rien. Putain, je suis encore bloqué. Désolé, la VOD. Hein. Putain, mais j'ai déjà tout vu ici, Nick. Et elle voulait pas quand je lui montrais ça. Affaire SL9. Je lui montre le badge. Ah. Moi aussi. Ah, pardon. Moi aussi, j'en avais un jusqu'à il y a 2 ans. Parce que vous étiez la cracheuse, c'est ça? C'est ça. Nous avons trouvé ce badge ici dans ce parking. Aucun doute. C'est celui de Leban. Mais c'est le même badge que l'homme... Mais c'est le même badge que celui de l'homme assassiné au commissariat. C'est impossible. J'aimerais pouvoir en être aussi sûr. Le dialogue est long à chaque fois. Quand j'ai pas bon, le dialogue est tellement long. Merde. Ouais. Ah merde. C'est quand j'ai attrapé machin. Elle a fait tomber ce téléphone par terre. C'est là que vous l'avez entendu parler de Po, n'est-ce pas? J'ai tout loin de me douter que c'était un piège. Le pot de la voiture rouge et l'écharpe en peau rouge du procureur. De quoi, mademoiselle Kell, vous voulait-elle parler exactement? Hé hé. D'ailleurs, question. Attends, est-ce que je peux pas utiliser ce truc-là? Attends. Dossier. Ah, mais attends, mais il faudrait que je le fasse dans la salle. Ah, mais attends, je sais. Je crois avoir compris. Ok, je crois avoir compris ce que je dois faire. Attends. Là. Ah. Eh bah, ok. Well, ok, then. Franchement, je vaporise. Hein. Je vaporise, les gars, là. Je donne tout, là. Là, je donne absolument tout. Putain, mais c'est pas putain de vrai, quoi. C'est pas ça, en fait, ce que je dois faire. J'ai envie de me tabasser les boules, c'est pas possible. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Encore une fois. Non, merde. Je vais peut-être vaporiser ici. Rien du tout, quoi. Il y a du sang nulle part. Bah non, c'est pas ça. Bah je sais pas quoi faire, alors. Je suis perdu. Encore une fois, bien sûr. Merci, Captain Nisaka, pour le Prime. Merci beaucoup. Oui, il y a plein de lul d'un coup, j'ai pas compris. J'ai raté un truc? J'ai raté un truc? J'ai pas compris pourquoi il y a eu plein de lulles d'un coup. Oh putain! C'est pour ça. C'est un peu du spoil en vrai, hein? Ce sang doit provenir du moment où Lana... Non, ma sœur n'est pas une meurtrière. Mais elle vous a appelé, non? À l'heure du crime. Et sa main droite est bandée. Hé, hey, dans quel camp êtes-vous? Ça n'a rien à voir avec le fait de choisir son camp. Donc, ça signifie qu'il y avait du sang sur la main de Lana. C'est de pire en pire. Ouais. Mais encore. Quel enfer.
Bon bah y a du son ici, d'accord. Mais c'est tout quoi. Ça m'avance pas plus que ça en fait finalement. J'avoue c'est un bruit de cycle. Attends. Et il y a encore ces flashbacks sur l'inspecteur Tective là. C'est trop bizarre, je comprends rien. Attends. What am I doing? Oh! Tiens donc. Quoi? On dirait que le sang a coulé là en bas. Étant donné la quantité, je dirais que quelqu'un a saigné du nez. Un saignement de nez? Peut-être que dans un moment de rage, Monsieur Hunter a giflé quelqu'un à cause de son incompétence. Pourquoi est-ce que le visage de l'inspecteur Tective me vient soudain à l'esprit? Mais pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas ces bails là. Je ne comprends pas. Ok. Et bah, on va passer le spray partout, quoi. Je dis pas qu'il y en a là-dessus, hein. Sinon, je pète un plomb. Non. Au secours. Et là, j'ai déjà tout fait ici, mais j'ai envie de me tabasser les boules, en fait. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas ici, quoi. Pourquoi il n'y a pas ici, là? Qu'est-ce que je rate? Au secours! Normalement, je suis sûr qu'il est censé y en avoir ici. Normalement, je fais tout petit à petit... Bon bah franchement... Oh putain. C'est pas vrai quoi. Wouah. On a une réaction... Oh merde. On a une réaction. On dirait que quelqu'un s'est godé le cul avec ce cactus. Il est clair qu'il y a du sang sur les épines ici. Cette pièce est vraiment en désordre. Quelqu'un a dû trébucher sur quelque chose. Et atterrir la tête la première dans ses épines. Là c'est encore plus douloureux que d'être assassiné. Et c'est tout? C'est vraiment c'est tout? Non, merde. Oh, y a un petit jingle là. D'accord. Mais du coup, je fais quoi maintenant? Maintenant que j'ai ça? Au secours, quoi! C'est au secours de ouf, hein. Oui, quelqu'un est tombé sur le cactus, la tête la première. Eh bah ok quoi. Je sais pas quoi faire. Suggestion. Pauvre monsieur Hunter. Tu commences à me taper sur les nerfs, Hunty. Des bruits courts. Après tout, tu étais dans le box des accusés il y a de cela tout juste un an. Il y a aussi le fait qu'il n'ait pas lu le rapport de cet agent. Ah oui, concernant le meurtre perpétré au commissariat, c'est vrai. Oh. Le préfet avait raison à ce sujet. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un membre de la police n'apprécie pas Hunter. Eh ben, on va aller là-dedans et on va faire des pchits, quoi. Merci Star Platinum pour le sub. Merci beaucoup. Oh là là. Merde, mais qu'est-ce que je loupe là? Ma vie probablement.
Non mais là y a rien ici, c'est sûr. Non merde. Mais attends. J'avais pas fait ça. Quelqu'un qui s'est remis d'un marqueur pour écrire son nom là-dessus. Emma Sky. Ne dites pas que vous trimballez ça avec vous partout où vous allez. Ben, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais dans quel genre de monde vous croyez qu'on vit ? Rire de droite. Le monde réel, Phoenix. Le monde réel. Ben même, c'est pas... Vas-y, Cupioc pour les subs. Désespéré, hein. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pas observé encore ? Bah ça, je vais pas vaporiser ici. Je vais lui présenter son propre truc. Hein. Vous donnerez ça à Alex comme je vous l'ai demandé. Hein. Vous et l'officier Marshall, vous. Non, mais on a déjà eu cette conversation. Oh là là, mais quel enfer! C'est chiant en vrai! Je sais pas quoi faire. Je suis trop con ou quoi? Oh là là. Con, hein, je crois. J'ai vaporisé ça ici. Je me dis qu'il doit me servir à quelque chose, lui, mais non, il ne sert à rien, il ne sert à rien. Bah merde. Bah je sais pas où aller les gars. J'ai tout observé, tout est déjà coché, j'ai déjà tout vaporisé, mais au secours. Au secours, par pitié, par pitié, qu'est-ce que je dois foutre, putain. Pitié, messieurs, dames. Tu vas adorer trouver la solution. Bon. Parce que, là, j'adore pas trop, mais... Oh là, c'est chiant comme la mort. Je me dis, il y a peut-être un truc que j'ai loupé, tu vois. Vu que tout à l'heure, le téléphone, je l'avais pas eu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici, quoi ? J'ai l'impression d'avoir vraiment fait toute la pièce, là. J'ai fait toute la pièce. En fait, le seul endroit que j'ai pas vaporisé, c'est chez moi, là. Ça. Mais je vais rien faire ici. Y a rien ici. Je suis tellement désespéré. Je vais quand même tenter. Mais c'est sûr que non! Mais non, bien sûr que n'a rien ici. Il y a peut-être un objet que j'ai pas présenté à quelqu'un. Est-ce que je pourrais lui présenter ça ? Oh ! Non.
Aïe. Ça se tombe, c'est sur les prédictions. Ah, quoi? Ah, merde! C'est bien celui-ci, monsieur, c'est bien celui-ci! Je rêvais que j'étais une pomme, monsieur, et qu'on me pelait! La vraie question, en fait, ce n'est pas la peine que vous examiniez ce couteau. Sa réaction est disproportionnée, mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Oh non, c'est nul. C'est encore la même chose. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Mais pourquoi vous avez ça, c'est... Elle a de ce jour-là, elle a été prise au bureau du procureur. Mais non, mais c'est ce qu'on lui a dit tout à l'heure. Oui, c'est déjà fait, ça. Oh, le son dégueulasse, bien sûr. Oh là là, putain! C'est ballot, regardez ça. Allez-y, monsieur, moquez-vous. Moquez-vous de moi, monsieur. Hein? Je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire qu'elle a le même. Moi? Pourquoi? Je sais, monsieur. Je suis le seul à ne pas avoir une copine qui ait le même badge que moi. Personne. Je suis seul, tout seul. Est-ce que c'est un péché? Il n'y a pas que les amourettes de lycée et les premiers émois dans la vie, monsieur. Il parle des espèces de badges cousus sur son manteau. J'aimerais croire que mon badge n'est pas qu'un simple accessoire de mode. Ah putain, j'ai cru que c'était ça. Antoine trouve avant 22h40 en 8 minutes. Non mais au secours. Hein. Mais c'est l'enfer. Merci Von Karmad pour le Prime. Zapin Tamar pour les 100 bits. Cupioc pour le sub. Bon bah lui, c'est mort. Elle, je lui ai tout présenté. Mais le problème, c'est... je lui ai présenté plein de trucs. Le problème, c'est que son dialogue, quand c'est pas bon, dure 1500 ans, quoi. C'est insupportable. Voilà. Ça dure 50 000 ans. Voilà. Et... à lui. Je lui ai littéralement tout montré, quoi. Mais oh, ce fucking cours, quoi. Merci Noyade pour les 1000 bits. Bon courage, on est tous avec toi, Antoine. Ouais. C'est gentil, merci. Merci Casimir pour être en mode sub. Parle au préfet. Parle au préfet. Attention. Mais non, mais putain, t'as créé un compte et t'as sub pour me spoil. Mais je lui parle. J'ai envie de me tabasser les boules. J'ai envie de me tabasser les boules. Les boules. J'ai envie. J'ai envie de mourir. Je suis désolé. En fait, je me demandais si vous m'accorderiez une faveur. Eh bien, je n'aurais jamais cru qu'un jour Wrighty me demanderait de l'aide. Je voulais savoir si vous nous autoriseriez à examiner la salle d'épreuve.
Écoute, Wrighty. En fait, je suis désolé, je n'ai pas besoin de l'examiner après tout. Dis-moi, Wrighty, est-ce que j'ai l'air d'un égoïste? Hein? Bon sang, si quelqu'un voulait m'emprunter 50 euros, je les lui filerais sans problème. Alors donne-toi un cœur joie, examine cette salle jusqu'à épuisement. Ça prouve bien que l'on ne peut pas savoir tant que l'on n'a pas demandé. Et toi, tu peux emprunter ça. C'est un badge inspecteur, non? C'est un badge spécial pour les invités, ne le perds pas. Oui, monsieur. C'est un honneur. Allez-y, et faites de votre mieux maintenant. À plus tard, les amis. Bah, le nom de la VOD, ce sera « Je suis une merde », voilà. Ça en jette sur ma veste, non? Vous avez vu ça? Un vrai badge? Vous avez l'air ravi. Oui, monsieur. Parce que nous allons enfin pouvoir aller dans cette salle, monsieur. Je crois que le commissariat a une mauvaise influence sur cette fille. Ah, le plaisir. Merci Team Top pour le 10 mois de sub. Lumi Potato pour le sub. Belzébul pour le sub également, merci beaucoup. Captain Vlad Tepes pour le Prime, merci beaucoup. Mais c'est pas là? Attends. Oui, il va falloir faire ça avant. La salle d'épreuve se trouve derrière cette porte. Et nous avons le badge que nous a donné le préfet de police Grant. Allons-y, entrons. Elle ne s'ouvre pas. Ah, le lecteur de badge est éteint, vous voyez. Mais à quoi pense cet agent de sécurité? Salut, amigos. C'est pas du tout la bonne voix. Attends, merde, il est où? Oh, merde, fais chier la bite. Attends, il est normalement, il a cette voix un peu... Attends, comme ça. Mais pas comme ça. Comme ceci. Salut, amigos. Eh ben alors, qu'est-ce qui rend le bambino si triste? Officier Marshall! Bizarre, je m'en doutais. Pourquoi me regardez-vous comme si vous pensiez bizarre, je m'en doutais? Comme vous l'avez peut-être remarqué, voici mon saloon. Nous sommes ici pour examiner le lieu du crime. Yeehaw! Ce badge que vous avez là sur la poitrine, c'est encore mieux qu'une étoile de shérif par ici. Yeehaw! Alors, ne restez pas planté là. Allez-y, mes amis, au lieu du crime vous attend. On dirait que le lecteur de badge est rallumé. Pendant que j'y suis, je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. Désolé, cowboy, mais je ne suis pas d'humeur à me frotter à vous, hombres. Vous êtes occupé alors? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai juste dit que je ne voulais pas vous parler. En fait, vous avez dit que vous n'étiez pas d'humeur à vous frotter à nous, hombres. Sauf que... J'ai de quoi te faire parler, mon ami. J'ai cette formule cordon bleu. Merci à la personne anonyme qui a offert un sub à Bravo Antonio 009. Merci Bungemimb pour le Prime. Wofouyak pour les 3 mois. Cette odeur. Ah, ça me rappelle le Texas et le ranch du vieux Callaghan. Merci, officier Marshall. Vous venez du Texas? Non, j'ai juste vu un reportage à la télé l'autre jour. Ça vient de mon bébé, ça. Oui, mademoiselle Star. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Un cordon bleu? Je vois. Moi, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, Bambina. Vous avez gagné. Demandez-moi... tout ce que vous voulez. On dirait enfin... Qui est disposé à parler? Elle a lit dans mes pensées, la petite. Hein. Merci, le orage, pour les 10 mois de sub. Merci beaucoup. Monsieur Marshall, vous êtes chargé de la sécurité de la salle d'épreuve, c'est ça? Bien vu, amiga. C'est pas difficile comme boulot et Han suis bien content. En fait, c'est l'officier Ballot qui nous l'a dit au centre de détention. Ah, ce pauvre petit. Le pauvre, je n'arrête pas d'écorcher son nom. Han n'arrête pas d'écorcher son nom et de l'appeler Balour. Il nous a dit quelque chose. Il a dit qu'au moment du meurtre, vous n'étiez pas à votre poste. Bon, je ne devrais peut-être pas vous dire ça. Mais depuis que j'ai perdu ma place d'inspecteur il y a 2 ans, eh bien ça ne se voit peut-être pas. Et Moulou ne me passionne plus du tout. Alors, que faisiez-vous vers 17h15 quand le meurtre a été commis? Eh bien, je crois que je galopais
sur l'autoroute du volant de ma fière monture, fougueux. Merci Jacqueline Vergéture pour les 1000 bits. Et Jenal Velkan pour le sub, merci beaucoup. Note, il était sur l'autoroute sur le dos d'un cheval appelé Fougueux. On n'a pas besoin de moi ici de toute façon. Ces machines super modernes surveillent parfaitement la salle. Vous voulez parler du système de vidéosurveillance ? Je n'aime pas trop les machines. Je n'aime pas trop les machines. C'est comme ces brocolis vapeur qu'on vous flanque avec votre steak, vous voyez ? Mademoiselle Star nous a dit quelque chose. Elle dit que vous étiez inspecteur jusqu'à il y a 2 ans. J'ai toujours rêvé d'être un vrai cow-boy sur les lieux du crime. Et tout ça, c'est fini maintenant. Comme une oasis tarie au milieu du désert. Vous enquêtez toujours sur cette affaire SL9 avec Mademoiselle Star, non ? C'était mon affaire. Officiellement, elle est résolue. Mais pour moi, ça sent le poker menteur. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est tout ce qu'il y a à dire. Quel genre d'affaire était-ce ? Nous en avons entendu parler très souvent, mais nous ne savons pas de ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas que vous sachiez, Bambina. En plus, cette affaire est officiellement classée depuis 2 jours. 2 jours ? C'était le jour de notre affaire ? C'est exact. Le transfert de preuves. Hunter a parlé de ce transfert lui aussi. Je sais peut-être à quoi servent ces 2 de ces machines. Seulement 2 d'entre elles ? Il y en a au moins 10 dizaines. Je vous l'ai dit, Bambina. Imaginez-moi, ça fait dos. Je les aime à peu près autant que le chou-fleur vapeur à côté de mon steak. Les plus simples à comprendre sont ces caméras de surveillance. Celles dont parle l'officier Ballot. S'il n'y a rien, les cassettes sont automatiquement effacées au bout de quelques heures. Et l'officier Ballot et l'inspecteur Lebon, ils sont sur une de ces cassettes ? Ça se pourrait, j'imagine. Vous êtes chargé de la sécurité et vous imaginez. Une chose encore. Pour entrer dans la salle d'épreuve, faut un badge. D'où les lecteurs de badges près de la porte. Ce lecteur garde une trace de tous les badges qu'il voit passer. Oula, c'est quoi ce code bizarre ? Voici donc le registre des badges. Oui, je les avais sauvés quelque part. Il y a celui-là, 58-42-189, c'est celui de notre ami. Qui a passé son badge à 17h14, soit 1 minute avant son meurtre, effectivement. Désolé, Bambina, je ne peux pas vous en montrer davantage. Putain, on aurait vu le deuxième en dessous. Putain, fait chier la boîte de dialogue, nous. Je ne sais pas encore si cela a un rapport avec l'affaire. Monsieur Wright, je viens juste de voir un numéro sur ce registre, et je l'ai déjà vu quelque part. Il y a peut-être un moyen de prouver que ce registre a un rapport avec le meurtre. Désolé, mais vous pourriez m'expliquer ce qu'est cette histoire de transfert ? Nous ne gardons dans cette salle que les preuves des affaires résolues. Elles sont conservées ici sous le contrôle de l'inspecteur général pendant 2 ans. Pour que nous puissions les examiner de nouveau si on découvre une erreur, voyez ? Et que deviennent ces preuves au bout de 2 ans ? Elles vont dormir pour l'éternité dans la chambre forte souterraine du commissariat. Voilà ce que nous appelons un transfert. Ça a toujours lieu en février. Je comprends maintenant. Un transfert est une sorte d'enterrement des vieilles affaires. 2 ans après qu'une affaire ait été résolue, elle est définitivement classée, morte. Elle ne sera jamais réouverte, ni jamais réexaminée. Et c'est ce qui s'est produit pour l'affaire SL9 il y a 2 jours. Hein. Oui, je sais que je peux me mettre en transparent, effectivement. Mais attends. Du coup, je lui ai montré ça. Vous voyez ça ? C'est le badge de la victime. Ah, celui qui était par terre dans le parking. Il porte le numéro 58-42-89. Officier Marshall, montrez-nous les numéros qui figurent sur le registre des badges. Et oui, et voici le meurtrier probablement, qui est passé 2 fois, y compris quelques minutes avant. Regardez le 4e numéro, c'est exactement le même. Il a été utilisé à 17h14, juste avant le meurtre. Et il n'existe qu'un seul badge au monde portant ce numéro. Donc l'inspecteur Lebon se trouvait dans cette salle au moment du meurtre. Mais un instant, qu'a dit l'officier Ballot ? Mais non, mais si ça se trouve, c'était pas lui. C'était juste quelqu'un qui avait son badge. Merci El Northman pour les 3 mois de sub. Merci beaucoup. Maggie pour le sub offert à la communauté aussi. Merci beaucoup. Monsieur, je suis entré dans la salle pour lui demander de me présenter son badge. Vous avez demandé à l'inspecteur Lebon de vous montrer son badge et qu'a-t-il fait ? C'est bien là le problème.
Il a soudainement pointé un couteau vers moi. S'il avait son badge alors, pourquoi avoir pointé un couteau vers l'officier Ballot? D'accord, compadre. Vous avez gagné. Je suppose que je peux vous donner le registre des badges. Allez, c'est bon ça. C'est très bon ça, j'ai envie de te dire. J'ai une idée. Je pourrais peut-être montrer cette liste à d'autres titulaires de badges. C'est pas con ça, amigo. Je vais juste voir ça. Autrefois dans le Far West, les shérifs ne se fiaient pas trop aux pièces à conviction. En gros, ils se fiaient uniquement à la main qui le servait à tirer. Ici ce n'est ni le Far West, c'est ni Far ni West. Ah, mais ce sont deux choses complètement différentes. Je suppose, je suis perdu. Je crois bien que nous n'obtiendrons rien de ce type sans pièces à conviction. Non mais c'est bon, là, je... La salle d'épreuve, allons-y. Merci Ronté Harry pour les 8 mois de sub, merci beaucoup. 23 février, salle d'épreuve, secteur 3. Aucun bruit, l'enquête doit être terminée ici. C'est donc ça la salle d'épreuve? On dirait vraiment un cimetière. Normalement, il y a de l'herbe et des arbres dans un cimetière. Ici, on dirait plutôt une morgue. Bien tenté, monsieur Wright. Vous n'arriverez pas à me faire peur. Faut que j'en parle à ma femme. Désolé, je vous ai pris pour un fantôme. Je vous conseille pas d'assommer les fantômes, mamselle. Alors c'est bien vrai ce que j'ai entendu? Attends. Y'a un truc qui cloche dans cette histoire, attends. Y'a un truc qui cloche avec Detective. J'aurais pas trop mettre la main dessus, mais... No spoil, mais je pense qu'il y a une couille dans le potage avec Detective. Le fait que j'ai des visions de lui, le fait qu'il est pas trop... Bon, attends. Dis-moi, Righty, blabla. Est-ce que j'ai l'air d'un égoïste? Bon sang, si quelqu'un voulait m'emprunter 50 euros, je les lui filerais sans problème. Alors donne-toi un cœur joie, examine cette salle jusqu'à épuisement. Oui, c'est vrai. Alors comme ça, le préfet de police Gant prêterait 50 billets à n'importe qui, même à moi. Mais attends, il était pas là en plus à ce moment-là, lui. Il était pas là à ce moment-là, lui. Rire de droite. Hein. Lui, il était pas là. Et personne ne l'a vu. Ok, je crois que j'ai capté le vibe. Je pense. On va passer en émotonly car je ne veux pas de confirmation. Il était dans la vente. Je pense que Detective est décédé et que c'est son fantôme que l'on voit là. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il y a un bail comme ça. Un truc du genre. Et que elle le voit et nous on le voit et que c'est pour ça qu'on a des visions de lui et tout ça. On va voir. À cette salle dont vous parliez. En fait, je suis chargé de la quête pour aujourd'hui. Pas du tout alors. De la baise. C'est de la baise. Juste pour aujourd'hui. Le boss du jour. Mais devinez quoi, vous avez la permission du préfet. Alors maintenant, c'est vous le boss du jour. Super, merci. Pour commencer, vous allez avoir besoin de ça. Prends la salle d'épreuve. Alors, inspecteur Detective, c'est vous le boss aujourd'hui ? Exact, c'est un honneur. Après tout, le meurtre a eu lieu ici même, au commissariat. Mais si vous êtes le boss, pourquoi êtes-vous tout seul ? Où sont vos subalternes ? Ils préparent le procès grâce à ce que nous avons trouvé hier pendant l'enquête. En d'autres termes, l'inspecteur Detective a encore été écarté de l'enquête. Il y a un truc avec ça. C'est trop bizarre, en fait. Il est en contact avec personne, personne ne lui parle à part nous deux. C'est le sixième sens, quoi. Mais par contre, je suis inflexible. Je vais prendre le contrôle et enterrer cette affaire. Dans mon coffre de preuves personnelles, mon gars. Vous aussi, vous possédez un coffre ici, inspecteur Detective ? Bah, bien sûr. Je suis inspecteur, tout de même. On m'a donné un coffre que je suis le seul à pouvoir ouvrir, mon gars. Le seul à pouvoir ouvrir ?
Je ferai toujours confiance à Monsieur Hunter, quoi qu'il arrive. Donc, Monsieur Hunter passe devant cette commission d'enquête en ce moment, c'est ça? Il essaie de déterminer le responsable du cafouillage qui a eu lieu pendant le procès. Je vois. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le destin. Monsieur Hunter n'arrive pas à se sortir de cette affaire. Cette affaire? Oui, cette affaire. L'affaire SL9, bien sûr. C'était le début à la fin pour Monsieur Hunter. Nous pouvons peut-être faire en sorte qu'il nous en dise un peu plus sur cette affaire. Cette salle est bien plus sophistiquée que vous ne le pensez. Chaque coffre ne peut être couvert que par un seul inspecteur. À l'aide... À l'aide de son badge? Eh ben, c'est bien là le problème, mon gars. Un badge, ça se perd. Moi, par exemple, j'en suis déjà à mon 3e depuis que je suis dans la police. Ça fait beaucoup. Oui, même moi, je ne peux pas perdre ma main droite. Votre main droite? Ah, vous voulez parler de vos empreintes digitales? Exactement, mademoiselle. Chaque coffre est codé à l'aide d'une empreinte digitale. Et chacun ne peut ouvrir qu'un seul coffre. Bizarre. On dirait des coffres normaux. Ce sont les tout derniers modèles. Ils ont des poignées spéciales, vous voyez? Des poignées spéciales? Il y a un capteur derrière la poignée. Et si la mauvaise personne le touche... Zip! Elle prend une décharge! Si c'était le cas, je me ferais cramer la main tous les jours. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne se fait pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leurs empreintes digitales. Ok. On peut retirer les motos de lit, mais ne me dites rien, évidemment, évidemment, ne me spoilez rien par pitié. Merci la paf pour le sub. Wild Deer pour les 6 mois, merci beaucoup. Land pour les 100 bits, merci beaucoup. Antoine a tout compris ou pas? Ok. Et je vais lui présenter ça. C'est ma plus belle réalisation, mon chef-d'œuvre, pourrait-on dire. Mais l'art est souvent mal compris, mon gars. L'art? Il dansait fièrement le jour de la cérémonie de remise des prix. Il y avait beaucoup d'allées et venues après la cérémonie. Alors ils ont enlevé le lutin bleu pour quelques heures. Vraiment? Pourquoi? Oh, ils ont dit que c'était une honte ou quelque chose dans le genre. Une honte! J'ai travaillé dur jour et nuit! Ça me fait de la peine pour lui, mais je comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Oh no! Eh, c'est ça! C'est le trophée du King du Barreau que Monsieur Hunter a reçu hier! Étiez-vous à la cérémonie remise? Ah oui, ça. Oui. Il a reçu le trophée du zèle. Je me donnerai plus tard. Il y avait autre chose. Il y avait un autre truc qu'il voulait nous dire. Je sais plus ce que c'était, mais. Rire de droite. Trop bien ce plan. Merci Arjetlam pour les 6 mois de sub. Château pour le prime du coco la noix pour le prime également. Merci beaucoup. Ah oui, ça, je lui montrais ça. Pourriez-vous jeter un coup d'œil là-dessus? C'est le registre des badges des personnes venues ici le jour du meurtre. Ah, j'ai entendu ces rumeurs. C'est l'oncle de la banque. Ouah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième numéro! Ce n'est pas votre numéro de badge, inspecteur détective, si? Monsieur Hunter! Mais quoi? Le deuxième numéro sur cette liste, c'est celui de Monsieur Hunter! Quoi? Putain, mais Hunter, il se fout dans la sauce à toutes les secondes. Incroyable. Détective, juste pour être sûr. Êtes-vous mort? Détective, par hasard, vous seriez pas un fantôme? Juste pour savoir, en fait, Détective, vous seriez pas genre un fantôme, genre, en fait, tu sais? Tu sais que c'est bizarre comme question, là, mais genre, seriez pas genre décédé, genre, en fait? Pourquoi Hunter serait-il venu à la salle d'épreuve? Un fantôme, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite, celle-là. Et pourquoi Hunter est-il venu dans la salle d'épreuve? Benjamin... Oui, mais c'est lui, ça c'est le mystère. Ça, c'est un nombre bizarre aussi. Hein. Ça, c'est un numéro de fantôme, ça. Ça, c'est un numéro de fantôme. Hein. Merci, Agent K, pour les 6 mois de sub. Arrêtez que je vous vaporise. Permettez-moi de vous dire une chose, en ma qualité d'inspecteur. Si je vois une pièce à conviction dont je ne sais rien, je ne dis rien à rien. C'est bien. Jocelyn. Un peu que c'est bien, Jocelyn, mon gars. Bon, on va examiner un peu la pièce. Hein. J'aime bien cette musique. Ouah,
Regardez, c'est un tas de trucs dans le coin. On dirait une portière de voiture. Et une paire de menottes attachées à la portière. Le type qu'ils avaient capturé était peut-être le roi de l'évasion et s'est enfui. C'est une de ces cibles à forme humaine dont on se sert dans les centres de tir. Elle a reçu une balle en plein front. Je préfère que ce soit elle que moi. C'est bien vu, ça. Non. C'est la porte par laquelle nous venons d'entrer. On dirait qu'on n'a pas besoin de badge pour sortir. Que se passerait-il si Marshall coupait le courant alors que nous sommes ici? Espérons qu'il se souviendra que nous sommes ici. Il y a quelque chose qui dépasse ici. On dirait une chemise. Ça doit être une preuve d'une affaire quelconque. Je me demande si c'est l'inspecteur détective qui a mis ça ici. C'est ça, mon gars. Prenez-moi pour le demeuré. Je suis pas responsable de ces preuves. Cela dit, il paraît que le coffre de preuves a été ouvert récemment. Comment le savez-vous? Si on laisse des trucs traîner comme ça, les objets se salissent ou se déchirent. Le gardien vérifie ce genre de choses et prévient l'inspecteur responsable. Combien de fois est-il venu me parler de preuves stupides? Il dirait que l'inspecteur fictif laisse souvent traîner des preuves lui aussi. Il paraît que sous son imper, il ne rentre pas sa chemise dans son pantalon. J'ai pas compris, mais yes. Si vous devez parler derrière mon dos, ne le faites pas devant moi, mon gars. Pas mal. Cet endroit est plein de preuves. Plein de rêves. Pour les rêves, je ne suis pas si convaincu. Ça ne s'ouvre pas. J'aurais dû le savoir. Eh, mon gars, nous avons un système de sécurité ultra perfectionné ici. Ah, mais c'est les armes secrètes! Mais il est où le chien? Il y a un gros appareil qui prend la poussière ici. Il est où le chien? Cette canne à pêche est dans un piteux état. Ah, c'est ma canne à pêche personnelle! Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Une minute, j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, il y a les deux trucs, il n'y a pas le chien. Tout juste, mon gars, c'est le détecteur de métaux. Celui qui vous a permis de résoudre l'affaire du lac Gour, vous savez, vous vous souvenez? Ah oui, c'est vrai! Waouh, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et je ne crois pas avoir déjà vu ça. Oh, ça, c'est un détecteur radio. Je suis sûr que ça pourra servir à résoudre une affaire un de ces jours. Ce boîtier minable. Il ne faut pas juger sur les apparences, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur, mon gars. Il est où le petit chien? Il est où le petit chien? Il est mort, le petit chien? Il n'y a pas le petit chien? Ah, oula. L'ambiance est délétère. Qu'est-ce que c'est? Du sang! Elle est un peu effacée. Il y a bien une empreinte de main ici. On dirait que quelqu'un a essayé de l'essuyer. Monsieur Wright, et s'il y avait d'autres taches de sang dans la salle? Nous devrions faire pchit-pchit. Mais avant de faire ça, je vais checker le trois trucs. Regardez, celui-ci est ouvert. Il y a encore une étiquette dessus. Ce coffre est codé à l'aide des empreintes digitales de l'inspecteur Lebon. Le coffre de l'inspecteur Lebon. Êtes-vous sûr que c'est normal de le laisser ouvert comme ça? Eh ben, c'est que ça serait difficile de le rouvrir si on le fermait. Il est vide. Ils ont dû mettre son contenu ailleurs. Quelqu'un a oublié un gant ici. Un seul. SL911. Et apparemment, il n'y avait pas d'empreinte sur le gun parce que la personne avait utilisé... Pas sur le gun, sur le couteau. Avait utilisé des gants de ce type-là. Des gants en latex, comme ça. L'inspecteur détective, peut-être. C'est ça, mon gars. Dites tout de suite que je suis un inspecteur tête en l'air. C'est une preuve de l'affaire, vous savez. Vous voulez parler de l'affaire SL9? Il y a bien une étiquette dessus. Waouh! Quelqu'un a dû casser un gros truc pour qu'il y ait autant de morceaux. Inspecteur fictif, peut-être? C'est ça, mon gars. Dites tout de suite que je suis un vandale. Apparemment, ça vient de l'affaire. L'affaire? L'affaire SL9, mademoiselle. Voyez l'autocollant sur l'un de ces morceaux. Une autre preuve de l'affaire SL9. Je me demande de quel objet faisaient partie ces morceaux avant qu'ils ne soient cassés. Vous voulez essayer de les recoller? Bonne chance, mon gars. C'est pas un boulot d'un moteur. Moi, j'y ai passé 3 bonnes heures avant de laisser tomber. C'est pour ça que j'ai toujours un tube de colle sur moi. Bon, ce morceau semble venir du bas. Essayons de remettre les autres en place. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, j'ai pas envie de faire ça. Pitié, pitié, j'ai pas envie de faire ça. Oh non. Oh non, mais c'est horrible! Non. Bon, attends. Lui, je peux... Merde, non. Non.
restons maintenant. Non, autant qu'on en finisse tout de suite. Bon, alors, il est censé aller là-dedans. Oh là là. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ? Non ? Ah, peut-être ça. On dirait le Niger. Ah, attends. Ah ! Non ? Non, je sais pas. Ah ! Ah oui, c'est ça. Énorme. C'est juste énorme en fait ce qui se passe. Mais c'était pas la sub, hein. J'y ai cru un petit peu. Oh, ça aurait pu aller ça. Pas du tout. Merde, non, j'utilise pas les bons boutons. Alors peut-être. Attends. Oui. Ah, c'est Riteron pour les 100 bits, Laurent pour les 7 mois, Camarade Nuage pour le sub, Edgenka pour les 6 mois, Decodolf pour les 2 mois, merci beaucoup. Alors ça... Attends, j'essaie de voir les pièces. Non... pas ça, hein. Non. Non, je pense pas. C'est possiblement ça. Ah non, plus du tout. Excusez-moi, je suis très con, hein. Vous comprenez pourquoi j'ai pas encore fait le post Jean Castex, hein, les amis, hein. Donc ça... Pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Voilà, merci. Comment l'enfer, hein. Le... quoi ? Quelle est cette query ? Énorme en tout cas. Merci à tous. Putain, les gars, on va le faire. Les gars, on va le faire. Je vous promets qu'on va le faire. On le fait ensemble ou on le fait pas du tout. Et voilà. Un trophée. Eh bien, je crois que nous y sommes arrivés, mais il manque quelques morceaux. Moi, ça m'a pris que 2 minutes. Le problème, c'est le terminé. Les morceaux ont été volés ? Pareil qu'il manquait dès le début. Peut-être. Mais ce vase a vraiment l'air bancal. Je crois que je comprends pourquoi il est cassé. Pourquoi il est cassé, alors ? Il y a bouclier cassé, il y a vase cassé, il y a plein de choses cassées. Il y a couteau cassé, et tout est cassé. Merci, Stéphane, pour les 100 bits. La VOD qui est à 1h40 là. Insupportable, désolé, hein. Qu'est-ce que cette scie et ces pots de peinture font ici ? Depuis la nuit des temps, les véritables artistes ont toujours lutté contre l'oppression. J'ai remarqué qu'il y avait des pots de peinture bleue et jaune ici. C'est peut-être là qu'est né le lutin bleu. Eh ben, c'est un peu mon atelier ici. Ici, dans la salle d'épreuve. Je vois.
quoi. Tu recolles les morceaux dans le pied d'un vase. Il y a deux choses qui me gênent. Hein? Pourquoi manque-t-il certains morceaux? Deux, ce vase ne serait-il pas un peu bancal? Pas étonnant qu'il se soit cassé. J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois que je fabriquerai un vase. J'avoue. Ok, on va chercher du sang. Mais le nombre de trucs que j'ai envie de me tabasser les boules, là. Oh là là. Il devait y avoir une énorme tache de sang ici. J'en avais jamais vu autant. Je ne suis pas expert en la matière, qu'en pensez-vous, inspecteur? Il semble clair. L'inspecteur Leban était un extraterrestre, peut-être? Ça prouve qu'il s'est vraiment passé quelque chose devant ce coffre. Je vais le noter sur le plan. Hey, si vous vouliez pas mon avis, fallait pas me demander. Ok. Bah, oh, voilà, là tu le dis, évidemment, hein, ça serait étonnant que tu le captes pas. J'en étais sûr, c'est l'empreinte de main droite de quelqu'un. Quoi? Mais qu'y a-t-il, inspecteur? Ce coffre, c'est le mien! Le vôtre? S'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez quand ils viendront me chercher. Promettez-moi de certifier que je ne ferai pas de mal à une mouche. Vous ferez ça pour moi, hein, les gars? C'est un indice important, je vais le noter sur le plan. Je compte sur vous, les gars. Croyez-moi, il faut pas faire confiance à la police. Quoi? Mais vous êtes inspecteur. J'avoue. Je check un peu tout, hein, bien sûr. Mais je... Merde. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de plus au niveau de... Bon bah écoutez, les gars, là, c'est bon, là. Discutez. Je sais pas trop où elle est, là, en fait. Je vais présenter le vase. Ah non. Je pense qu'on est bon, hein. Peut-être si je lui montre ça vite fait. La note de l'inspecteur Lebon et ce couteau à cran d'arrêt. Je parie que Hunter était le plus surpris de tous. À cause du rapport avec l'affaire SL9? C'était la première grosse affaire de Monsieur Hunter, vous savez, il y a 2 ans. C'est la première fois que je vois que le monde comprenait que Hunter était un homme à craindre. Mais pourquoi les preuves de cette affaire surgissent-elles maintenant? Faut croire que ce n'est pas terminé, mon gars. Il y a peut-être des détails qui restent à régler dans cette affaire. Peut-être bien, ouais. Bon, allez, on va se déplacer, on va sortir de là. Attends, je vais aller voir lui, là. Et lui montrer... Mais il est plus là. Il n'est plus là, sans détention. Mais par contre... Non, c'est pas bon. Attends, je voulais aller où? Ah, je voulais aller chez Hunter. Putain, mais par où j'y rentre? Là. Mais non, mais y'a rien à faire encore. Merde, j'ai dû louper un truc dans la salle des... J'ai dû relouper un truc dans la salle d'épreuve. Ah mais putain, je suis trop con. J'ai pas cheaté l'autre partie de la pièce. Excusez-moi d'être con. Merde. Faut que je pchite ici aussi. Ah voilà. Pourquoi est-ce que j'obtiens une réaction ici? Le meurtrier n'avait aucune raison de toucher cet endroit s'il s'est enfui par la porte. Ça pourrait être important. Hé hey, c'est drôlement chouette ce que vous avez là, mamzelle. Quoi, ça? Ça s'appelle de la solution de luminol. Où est-ce que vous avez déniché ça? Hein? J'en voudrais, moi aussi. Je vais emprunter 50 euros au préfet. Où est-ce que vous trouvez ça, Emma? Je l'achète toujours par correspondance. Bon, je ferais mieux de noter ça sur le plan. Je pense que c'est pas mal, là. Très honnêtement, je pense qu'on est bon, là. Hein?
Du coup, si je regarde le plan... Oui. Vous pouvez offrir un coffre si votre empreinte digitale ne correspond pas. Si vous arrivez à l'ouvrir, je vous donne 50 centimes. Note, la police n'a pas confiance en son système de verrouillage. Après tout, l'inspecteur Lebon a été poignardé ici après avoir ouvert son coffre. Mais il a été retrouvé mort au même moment au bureau du procureur. Oui. Je sais pas trop quoi faire là. Non, ça on a déjà vu. De nos jours, il y a des badges et des codes secrets partout. Je vis dans l'angoisse. C'est juste parce que vous perdez constamment votre badge. J'oublie aussi toujours mon code secret, ça fait peur, hein. Ma tronche devrait suffire comme pièce d'identité, le monde devient fou. Inspecteur détective rebelle contre le système. Encore la même chose. Je voudrais juste montrer ça. Bon bah non, je pense que j'ai fini ici. J'ai tout examiné là, j'ai tout vu, tout examiné. Nos côtelettos quoi. Merci Valmore pour le prime. Putain, mais y'a rien. Bon, ok. Je vais aller revoir la meuf du parking. Je vais lui présenter cette truc-là, là. Oh non, putain. Pourtant, c'est son affaire. Encore une fois, je sais pas quoi faire, hein. Oh là là. Mais au secours! L'odeur du temps perdu, hein, mais complètement. Ah non, mais là, c'est terrible, là, ce que je vis, là. Je lui montre le plan à lui. Mais non, c'est tout, tout est de la bite, hein. Et voilà, c'est reparti pour la méga galère. Non mais y a rien du tout. Elle avait odé de l'enfer, hein. On est à 1h50 de VOD, là, sur celle-là. C'est terrible. Ah, c'est forcément dans la salle d'épreuve, le truc que j'ai loupé, alors. Faire baigner encore dans le sang et la violence. La violence. Il s'agissait donc d'un meurtre. De meurtre en série. Des meurtres en série. Je n'ai plus trop envie de savoir finalement.
Mais le meurtrier a fait une erreur et Monsieur Hunter s'en est servi pour le pincer. Et ça s'est passé il y a 2 ans ? Monsieur Hunter s'est retrouvé sous les projecteurs et l'engrenage des rumeurs a démarré. Les rumeurs sur des fausses preuves. Tout ça devait être réglé avec le transfert de l'autre jour. Ça aurait été sa dernière mission. À l'inspecteur Lebon, je veux dire. Hein ? Que voulez-vous dire ? Lebon était inspecteur chargé de l'affaire SL9, vous voyez ? Alors ? Ce couteau à cran d'arrêt ? La victime a lui-même sorti cette preuve du coffre ? Ah oui, c'est Lebon qui a sorti la preuve. Oui, ok. Eh hey, mon gars, vous avez vu l'heure ? Vous aviez un rendez-vous ? C'est juste que la commission d'enquête sur Monsieur Hunter devrait bientôt se terminer. Je vais aller leur faire mon rapport sur la journée. Ça pourrait les aider, vous savez. Rapport ? Vous voulez parler de la note écrite au dos de ce prospectus ? Celle qui dit juste RAS ? Eh, hey, c'est de Monsieur Hunter que nous parlons. Je suis sûr que ce rapport peut l'aider. J'ai confiance en lui. Pourquoi avoir des ennemis quand on a un ami comme l'inspecteur Tective ? J'y vais, mon gars, à plus. Peut-être pas décédé, inspecteur Tective, genre. J'aurais probablement aller voir ce que Hunter a à dire, moi aussi. Allez, par pitié. Eh ben. 23 février, bureau du procureur général, salle 1202. Oh, des invités, toutes mes excuses. Oh, c'est vous ? Où sommes-nous déjà rencontrés quelque part ? Hein ? Monsieur Hunter, si vous voulez bien, je me retire, à bientôt. Hunter est ici ? Là, debout près de la fenêtre, une tasse à la main. Ah, c'est vous. Il se fait livrer son thé par l'hôtel. Monsieur Hunter, vous revenez de l'enquête menée au bureau du procureur ? Exactement. Au fait, l'inspecteur Tective vous cherchait. Ah oui, il m'a apporté des informations, on dirait. Vraiment ? Vous ont-elles été utiles ? Apparemment, un nouveau restaurant libanais ouvre tout près d'ici. Je crois qu'il essayait de trouver quelque chose pour me consoler. Je crois que le rapport est de l'autre côté, Hunter. Pauvre monsieur Hunter, je crois que tout ça l'a sérieusement ébranlé. Alors, comment s'est déroulée cette commission d'enquête ? En fait, ils ont décidé de ne pas traiter ça comme de la dissimulation de preuves, mais comme un problème de communication au cours de l'enquête. Dissimulation de preuves ? Oui, apparemment certains pensent que je dissimulais des preuves. J'ai écopé d'un avertissement. Vous avez eu de la chance une fois de plus. Une fois de plus ? J'ai entendu dire ça si souvent, depuis cette affaire il y a 2 ans. Êtes-vous prêt pour le procès de demain ? Eh bien, je suis toujours le principal avocat de l'accusation, cependant... Il s'est passé quelque chose ? Ils ont transféré la direction de l'enquête à la police. La police ? Oui. Dorénavant, l'enquête sur cette affaire sera dirigée par le préfet de police Gant. Il n'y a plus qu'à attendre ses résultats. Je vois. Pourquoi, je vous demande ? Pourquoi ? J'ai toujours fait ce que je croyais être juste. Je n'ai rien à me reprocher. Et malgré cela... Eh ben, je l'ai jamais vu aussi mal. J'ai plein de choses à te montrer, ça par exemple. Right, par pitié, je représente l'accusation dans cette affaire. Vous ne pensez pas que je vais rester assis là, les bras croisés, à prendre le thé avec vous ? Le thé, ce sera pour une autre fois, parlez-moi juste de l'affaire. Monsieur Wright, Monsieur Hunter vient juste de vous dire non très poliment. Mais de quel côté êtes-vous donc ? Je vous montre ma meilleure pièce de conviction, je peux peut-être le faire réagir. Tout à fait. Probablement, bah non, ceci, DL9, déjà eu, mais ça peut-être. Non. La meilleure pièce de conviction... Bah ça, il les a déjà vus au procès. Par contre, si je montre le plan de la salle d'épreuve, peut-être ? Non. Oh, j'ai des badges, alors. Oh, merde. Non, je disais, je... Ah. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y avait son nom sur le registre des badges, bien sûr. Ah, juste des badges utilisés. Hunter, vous êtes allé dans la salle d'épreuve ce jour-là, non ? Juste avant que le meurtre ne soit commis, en plus. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Monsieur Hunter ? Je vous en prie, ne me regardez pas comme ça. J'y avais été envoyé par le préfet de police Gant en personne. Le préfet de police ? Il avait besoin d'une preuve concernant une affaire réglée il y a 6 mois. AI-16.
Il m'a dit qu'il voulait que je le garde ici, au bureau du procureur. Ah, mais c'est le tournevis qu'il y avait dans le... qui coinçait le tiroir chez la meuf, là, dans l'hôtel, non? C'est pas ça? Mais elle était résolue, non? Elle devait l'être si l'épreuve était déjà classée. Le préfet n'est pas du genre à s'expliquer. Le fait est que le jour des meurtres, j'ai apporté ça ici. Je vais vous demander quel genre d'affaire c'était? Je ne peux pas vous le dire. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'affaire en cours. Cette autre affaire a piqué ma curiosité, je ferais bien de noter ça. Oh, encore une nouvelle preuve, mais j'en ai 10 000. Le nombre de preuves que j'ai, les gens. Oh là là. Merci, gouvernateur, pour le sub-offert à le tonton Sergio, merci beaucoup. Toujours aussi têtu, je vous ai dit que cela n'avait rien à voir avec l'affaire en cours. Oh putain, mais c'est pas... L'affaire 5 est l'une des plus heureuses de la saga de tous les 6 jeux sortis. Oh putain. Au secours. Bah je lui ai vraiment... Lui, il connaît déjà tout en fait. Le lutin bleu, tiens. Non. De toute façon, je lui ai proposé des trucs, hein. Ouais, bah non. Ah, peut-être ça. Non. Y'a trop de preuves, trop d'infos. Ah, c'est compliqué, hein. Quoi? Oh, merde. Oh, oula. Oupsi. Un cauchemar, il parle du mur de l'ascenseur. Merde. Merde. Ok, Hunter, pourquoi ne pas me raconter tout ça? Dites-moi la vérité. Attends, on va juste le remettre vite fait. Je vous connais, vous avez déjà sûrement tout un tas d'informations par vrai. Tout ça est lié à l'affaire sur laquelle vous étiez, à l'affaire SL9. Et aux sombres soupçons qui planaient sur vous. C'est vous qui avez ravivé le pire cauchemar de ma vie, pour autant que je me souvienne. Je savais que je vous parlerais de cela tôt ou tard. Ah voilà, c'est bon. L'affaire SL9 était une horrible affaire de meurtre en série. Le responsable de l'enquête était le sous-préfet de police de l'époque. Damien Gant. Alors ce vieux fou était aussi impliqué dans l'affaire d'il y a 2 ans. C'était notre meilleur agent et ma première mission avec lui. J'étais nerveux. Waouh, vous aussi ça vous arrive d'être nerveux, monsieur Hunter? Je voudrais bien savoir pourquoi un sous-préfet de police était chargé de l'enquête. En fait, j'utilisais des méthodes un peu plus extrêmes que la normale. Si j'avais laissé filer ce meurtrier sadique, j'aurais eu du sang sur les mains. Nous avons réussi à le faire déclarer coupable et il a été exécuté. Attendez, vous n'avez pas... Bien sûr que non, je n'ai pas touché aux preuves. Oui, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner un procès. Pourtant, j'ai une règle et je la respecte à la lettre. Au fait, Emma, le procureur général voulait savoir quelque chose. Ma sœur, quoi? Vous travaillez toujours sur cette enquête scientifique? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, Monsieur Wright et moi avons utilisé cette... Solution de luminol, Eh bien alors, cela pourra peut-être vous servir. De la poudre d'aluminium pour relever des empreintes? Elle a reçu un traitement chimique qui renforce son adhérence. C'est pour moi, vous êtes sûr? Nous sommes ennemis, vous savez. Je n'ai pas mon mot à dire dans l'enquête aujourd'hui. Faites comme vous voulez. Hunter, je suis vraiment... Pas la peine de me remercier. Allez, prenez votre poudre et ces fiches sur les empreintes des personnes impliquées. Merci. Pourquoi ne pas les donner aussi à l'inspecteur Tective? On va retourner là-bas. Très bien, allons-y. Une dernière enquête. Bien. Si je me souviens bien, je n'ai vu qu'une empreinte de main suspecte quelque part. Non, J'ai vu une empreinte de main suspecte quelque part. J'en ai vu plusieurs, même. Alors attends, comment ça se... Merde. Comment ça marche, ce truc, du coup? Ah, je peux pas le faire comme ça. Attends, vérifier. Oui, d'accord. Énorme. Mais il y avait des traces de sang, là, aussi, hein. Mais c'était pas les empreintes de main. Il y avait une empreinte de main ici, je m'en souviens plus. Je sais plus si c'était une empreinte de main ou pas. Attends.
Mais elle est plus là, elle. La meuf. Ah, c'est pas une empreinte de mort de main. Bon, il faut aller du coup là. Puis là. Puis là. 23 février, salle d'épreuve, secteur 3. Notre enquête a révélé une empreinte de main suspecte. Deux même. Ici, au milieu de cette tache de sang trouvée sur le coffre de preuve de l'inspecteur. Utilisons l'arme secrète que nous venons juste d'emprunter. Très bien, allons-y. D'abord, choisissez un doigt. Un doigt ? Chaque doigt laisse une empreinte légèrement différente. Alors choisissons le doigt qui laissera l'empreinte la plus visible. J'arrive pas vraiment à voir la différence d'un simple coup d'œil. Arrêtez de rechigner et choisissez un doigt. Bah lui ? Lui ? Ok, maintenant, il est temps de rechercher des empreintes. Je vais vous montrer comment on fait. Emma a de nouveau cette lueur dans le regard. D'abord, on répartit la poudre d'aluminium autour. Hein ? Comment on fait ça ? Et vous savez d'appuyer sur Enter, voyez ? Ah, on dirait que ça a marché. La poudre d'aluminium adhère complètement à l'empreinte. Une fois que la poudre est bien étalée, soufflez dessus pour ôter l'excès. Hein ? Comment on fait ça ? Avec eux. Formidable, je sais. Imaginez que vous soufflez les bougies de votre gâteau, avec un éventail, voyez ? Wouah, c'est marrant. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas en avoir plein les narines. Versez juste une bonne dose de poudre et soufflez pour enlever l'excès. Voilà les règles de base du relevé d'empreintes digitales, monsieur Wright. Bon bah, il me reste plus qu'à essayer. Ah, le micro de la DS. Je peux souffler dans mon micro, sinon. Bah, ça va pas souffler ? Bah, j'appuie sur E et ça marche pas. J'en ai trop mis, c'est ça ? Vous voyez, ça fait même des cuts dans la musique. C'est trop bizarre. Si ça marche, bah non. Mais non, ça marche pas du tout. Merde. Rien. Le cut dans la musique, c'est parce que normalement il se sort du micro de DS, donc il coupe le son du jeu pour bien entendre souffler. Oui. Bah là j'appuie sur E, il se passe rien. Merde. Alors je vais essayer. Je comprends rien du tout. J'appuie sur E, hein, vraiment. Je comprends pas ce qui se passe. Davantage de poudre ? Ah, faut plus de poudre! Ah putain, d'accord. Ah oui, y'a un truc là. On voit pas grand chose. C'est un autre doigt celui-là. Ah oui, d'accord, je comprends. Ok. Un max de poudre! Ah, bravo, vous en avez trouvé une! Mais. Ça ne ressemble pas du tout à une empreinte digitale! Maintenant, vous le dites effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça veut dire que nous n'avons pas de chance. Pas de chance ? La personne qui a laissé son empreinte de main ici devait porter des gants. Ne dis pas que tout cela n'était qu'une perte de temps. Hé, hey, calmez-vous. Ce genre de choses arrive parfois dans les enquêtes scientifiques. Mais c'est dommage, je le reconnais. Donc nous sommes là, pourquoi ne pas chercher d'autres empreintes ? D'autres empreintes ? Ah bien, regardez, la porte de ce coffre. On dirait qu'il y a d'autres empreintes en dehors de celle de la main ensanglantée. Voyons si nous pouvons trouver des empreintes nettes. Des empreintes en dehors de la tache de sang. Ah, là. Ouh ! Elle est bien belle, celle-là. Et donc ? Ah, c'est bon ? Peut-être que j'en mette encore plus, c'est ça ? Au secours. Allez! Youpi! Une empreinte d'une netteté éblouissante! Éblouissante? Peu importe, il m'a fallu de nombreux efforts pour trouver cette empreinte. Trouvons tout de suite à qui elle appartient. Ah, alors on n'a pas fini, c'est drôlement long. Il n'y a aucune utilité à trouver une empreinte digitale si on ne sait pas à qui elle appartient, pas vrai? Elle a raison. Regardez les fiches que Monsieur Hunter nous a données sur les empreintes digitales. Et trouvez la personne qui, d'après vous, a laissé ses empreintes. Hein? Comment suis-je censé savoir de qui il s'agit?
Je crois que je pourrais le deviner. L'empreinte de la main en sang et celle des doigts ne sont pas au même endroit exact. Ça veut dire que ces empreintes n'ont probablement rien à voir avec notre affaire. Donc logiquement, à qui devraient appartenir les empreintes présentes sur ce coffre ? Bah à Detective, puisque c'est son coffre. Bon après, attends. Au secours, hein. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Ça non plus. Attendez, ils sont sérieux là ? Je passe deux par deux, mais le truc c'est que ça il le change de place en fait à chaque fois. Non. J'ai pas l'impression. Nanasque. Ah non, mais ah oui, je fais que je fasse comme ça, je suis trop con, bien sûr. On dirait un peu. Non, c'est pas ça. Faut que je compare à chaque fois, c'est ça ? Ah oui, d'accord, mais je pensais que je devais le faire à la main et qu'ensuite je devais donner la bonne réponse ensuite. Aucun résultat, ouais, ok. Aucun ne correspond. Dites, comment je suis censé deviner à qui elles appartiennent ? C'est pourtant évident. L'empreinte de la main en sang et celle des doigts ne sont pas au même endroit exact. D'accord. Ah mais putain, on va se taper ce dialogue à chaque fois que je me trompe. Ça, ça ressemble un peu. Mais c'est pas exactement ça non plus, quoi, mais... Ah, c'est celui-là ! Ah, c'est... Bah oui, c'est Detective ! Putain, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr ! Évidemment que c'est Detective ! Bah oui, c'est son coffre, en plus. Ah ! Ces empreintes appartenaient donc à l'inspecteur Detective. Un problème, monsieur Wright ? Vous m'avez regardé comme si vous pensiez... Et alors ? Ah pardon. Sûrement parce que je me disais, et alors ? Ok, nous n'avons rien trouvé cette fois-ci, mais ce sera pour la prochaine fois. On ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut savoir encaisser les coups, monsieur Wright. Merci pour votre compréhension. Une minute. Je me souviens bien, il y avait une autre empreinte de main dans cette pièce. Allons vérifier. Tout à fait. Tout à fait. Elle était juste ici. Tu sais que c'est la solution luminole a réagi, pas vrai ? Exact. Il y avait une empreinte de main ici. Ok, vous voulez essayer de vous servir de ça ? Encore cette lueur dans les yeux. Les empreintes, bien sûr. Ok, recherchons les empreintes. Voilà, vous y êtes. Ah, mais il faut que je vous prévienne avant. Quoi ? Les taches de sang ont été effacées, non ? Nous les avons trouvées que grâce à des produits chimiques. Les empreintes dans ces taches de sang auront, elles aussi, été effacées. Oh, évidemment. Alors, ça veut dire pas d'empreintes. Diriez-vous que la probabilité de votre hypothèse est élevée ? Est-ce que je sais, moi ? Nous devons essayer de trouver des empreintes qui n'ont pas été effacées. D'autres empreintes que celles laissées par la main pleine de sang. Bah ouais... Bah y'en a pas. Mais y'en a pas du tout, y'a rien, y'a que dalle. Il troll où ? Mais non, mais arrêtez, je comprends pas en fait. Ah, ça y est, le chat devient désagréable. Bon. Bah, je comprends pas pourquoi il m'a fait zoomer là-dessus en fait. Ah, mais Antoine, sérieux ? Mais je ne comprends pas en fait ! Je ne comprends pas. Là, ici, mais on a déjà. Mais on a déjà vu tout ça. Je comprends pas de quoi vous me parlez en fait, hein. Il troll ou quoi ? Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas. Chercher des empreintes. Bah je cherche des empreintes. Ah
putain, mais bien sûr. Ou pas, ou non. Non, j'ai pas compris. Je comprends toujours pas, en fait. Je ne comprends toujours pas, en fait. Je comprends pas quoi faire. Mais pourquoi il me fait zoomer là-dessus si j'ai rien à faire, en fait? Et en plus, ça semble évident, parce qu'il y a des gens qui demandent si je troll. Je comprends pas du tout. Non, je me sens vraiment bête. Hein. Bah, je sais pas. Je comprends pas. Merci BoucheZD pour être au max sub. Bon bah je sais... Ah, peut-être là-dessus. Mais non, mais c'est la même chose. Les taches de sang ont été effacées, non? Nous avons trouvé que grâce à des produits chimiques, toutes les empreintes dans ces taches de sang auront elles aussi été effacées. Oui, évidemment. Alors, ça veut dire pas d'empreintes. Oui. Savez-vous que la probabilité de votre hypothèse est élevée? Je sais. Est-ce que je sais, moi? Nous devons essayer de trouver des empreintes qui n'ont pas été effacées. D'autres empreintes que celles laissées par la main pleine de sang. Oui. Ouais. Mais pourquoi tu me... Je ne comprends pas pourquoi il me fait zoomer ici. Alors qu'il n'y a rien. J'ai beau appuyer sur tout, en fait. Je comprends pas. Bon, allez, bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Comprends pas. Je sais pas du tout. Bah, ouais, mais. Je comprends pas. Je vois pas d'autres empreintes ailleurs. Là-bas? Ah oui, peut-être là-bas. Donc la personne qui a sorti ce couteau devait être l'inspecteur Leban. Pourquoi était-il enveloppé dans l'écharpe en peau cachée dans le pot d'échappement? Mais non, c'est pas... Ah! Oh, tu ruban jaune... Mais non... J'en ai vu pour la première fois hier. J'ai toujours rêvé d'écarter la foule pour passer de l'autre côté du ruban. C'est un peu intimidant de revoir si vite. N'exagérez pas un petit peu? On a déjà vu tout ça. Il y a des pots de peinture bleu et jaune ici. Tout ce qu'il me faut pour peindre votre portrait, monsieur Wright. Ah, vous savez, je porte une cravate rouge. Ouais. Ah, c'est inintéressant, hein. Bon. Merci, et un plot pour les 3 mois de sable, merci beaucoup. Et encore une fois, vraiment, je pige pas ce qu'il y a à faire ici. Et je comprends même pas le dialogue, en fait. Oui, la solution lumineuse a réagi ici. Il y avait une empreinte de main ici. Chercher les empreintes, oui. Recherchons les empreintes. Voilà, vous y êtes. Oh, mais il faut que je vous prévienne avant. Quoi? Les taches de sang ont été effacées, non? Oui, effectivement. Nous ne les avons trouvées que grâce à des produits chimiques, oui. Toutes les empreintes dans ces taches de sang auront, elles aussi, été effacées. C'est trop bizarrement formulé, cette phrase. Toutes les empreintes dans ces taches de sang auront elles aussi été effacées. Oui, d'accord, ok. Oh, évidemment, alors ça veut dire pas d'empreintes. Diriez-vous que la probabilité de votre hypothèse est élevée? Que je sais ça. Nous devons essayer de trouver des empreintes qui n'ont pas été effacées. D'autres empreintes que celles laissées par la main pleine de sang. Et là, ils me font zoomer. Et je ne sais pas quoi faire. Vu qu'il y a ce truc-là ici. Ah putain, pitié. Pitié. Pitié, monsieur. Pitié, monsieur. Pitié, hein. J'ai fait de mon mieux. Ce résultat ne sera pas très pratique pour vous faire correspondre à les empreintes, hein. Mais on dirait que le résultat ne sera pas meilleur avec cette empreinte-ci. Ok, passons à un autre doigt, alors. Merde, c'est lequel que j'ai eu. Je crois que c'était celui-là que j'ai pris. Bon, on va faire celui-là. Ok. Ah. Intéressant. Putain, encore. Oh, que c'est chiant. Merci. Alors,
ça y ressemble. Mais c'est pas exactement ça, attends. C'est celui-là. Alex Marshall. Ouais, sur DS, ouais, c'est dans le micro, apparemment. Eh, ces empreintes, elles... À qui sont-elles? À qui? C'est quelqu'un que je connais? Ce sont celles de l'officier Marshall. Hein? L'officier Alex Marshall? C'est sûrement une coïncidence. Il n'est pas impliqué dans ce meurtre. Emma, visiblement, ce ne sont pas les empreintes de l'inspecteur Tective. La réaction luminole, le sang et les empreintes digitales sont au même endroit. Nous avons donc les empreintes digitales d'Alex Marshall sur une tache de sang effacée. Et pourquoi l'officier Marshall? On dirait que notre enquête porte finalement ses fruits. J'imagine que c'est ce qu'on appelle une preuve irréfutable. Je n'arrive pas à y croire. Aïe. Oh putain, c'est enfin fini cette phase. Cette phase était chiante, j'ai trouvé. J'ai été mauvais, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça un peu chiant, en vrai. C'était long, putain, avec les allers-retours dans tous les sens. Au secours. Au revoir la VOD, et désolé, bien sûr.